Donc épisode 198 Cops, je vous laisse faire le résumé. Voilà. Là. Bienvenue sinon les gens. Et là oui, épisode 198 Cops, en effet, je laisse mes petits camarades faire le résumé. Ah, l'enfoiré. Ça fait longtemps que Lynn n'a pas fait de résumé. Tu te fous de moi? J'ai fait la semaine dernière. Tu t'appelles pas Lynn. J'ai fait il y a deux semaines, hein, mais... Voilà. Bon bah Chouba. Je suis en train de manger. Bon bah ouais. Rien, après avoir avalé, tu peux. Wedge. Oui. Résumé de l'épisode précédent. Je suis papa. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Un ou deux trucs de plus. Je suis pas sûr. Il manque des trucs. C'est pas mal. C'est bien parce que les épisodes pour toi, c'est que ton perso en fait. Les autres, on n'existe pas. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que moi, là, je suis un attends, pas trop. Attends, il est pas. C'est normal qu'il soit accaparé par ce genre de truc. Je suis certain que tu deviendrais papa, tu penserais qu'à ça. Hein. Bon, et Torgan, tu peux nous faire le résumé vu que t'étais là. Ok. Bon, Matelon, hein. Ça revient à toi. Hein. C'est dommage, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pas passé grand-chose en fait sur le dernier épisode. On a juste avancé dans des petites enquêtes. Et en plus, Dennis est devenu papa. Et Emily va très bien. Voilà. Et on a aussi avancé sur nos petits trucs personnels, de vie, etc. etc. On va dire des relations de divorce en cours qui se passent mal. Chez Max, des relations quelque peu bizarroïdes avec la fille adoptive de Juan, des relations, je sais pas si c'est passé un truc avec Lynn. Lynn a eu des ouais, c'est pas ça ouais, que j'allais dire. Pas plus que ça en fait. Voilà, non, c'est surtout que Lynn a entendu parler d'une vieille affaire. Et puis quoi d'autre? Et puis quoi d'autre? À part ça, pas grand-chose de plus par rapport à la semaine dernière. Hein. Ça a été relativement calme. Voilà ce que je peux en dire. Quelque chose à ajouter? Hippopotame cendrier. Camoulops. Je vois un truc et je suis bon. Est-ce qu'il y a des chances, ouais, qu'il y a des choses à dire en plus, les gens J'ai été interviewé par le SAD. Ah oui, c'est vrai. Et Denis aussi, d'ailleurs. C'était un long moment au SAD avec... Ouais. C'était avec Denis, non? Oui. Bon, chacun son tour. Chacun son tour. C'était très rigolo à faire. Pour moi. Bah, c'est pour ça que je parlais, des conséquences de son tabassage. Oui, je pense que les spectateurs aussi trouveront ça rigolo. Mais... T'as écouté? Non, pour le coup, okay. Non, mais... J'ai pas écouté, moi, non plus, d'ailleurs. Faudrait que... Bon, c'est pas note forcément... pour plus tard, c'est écouter l'épisode précédent. Bah moi, j'ai commencé à l'écouter. Bah, c'est-à-dire que je l'ai sorti hier, donc du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, quoi. Donc, alors, attendez. Il était en replay sur Twitch, par contre. Hein. Vous n'avez pas d'excuses. Hein, mais... Pas non plus, alors. Alors, j'aime bien cette punchline qui balance et de la promo et un tacle. C'est beau, ça. Désolé. Oh, quand je peux faire plaisir, tu sais. Alors.
Ouais. T'es un San CF. Ouais. J'aime bien donner le fruit de ma production aux autres, tu sais. Le bon PNF. Oh, c'est joli. Je demande quelques secondes, je rouvre les trucs. Parce notamment que... par rapport à une certaine partie, tu vois, le, donner le fruit, tu vois. Le... Ah, ce que j'aime bien, c'est l'archéologue qui met le fruit de ses fouilles dans le creux de ses caisses. Voilà, voilà. Oui. Ça sent quand même la contrepétrie, hein, mais bon. Bah évidemment, j'espère bien qu'il y en a qui l'ont... Alors, naissance du petit Denis, hein, garçon, tac tac tac. Ok. Donc, je regarde juste vite fait le, ce qu'il reste à faire dans les prochains jours. Parce que j'aimerais alors, bien aller. Une layette réellement, j'aimerais faire bien faire une comment ça s'appelle, une ellipse temporelle pour aller directement à la. Au prochain scénario, mais comme il y a le 25 et le premier de l'an, et qu'en termes de roleplay, ça peut être intéressant juste de faire quelques petites scénettes, il y a des chances qu'on fasse ça en plus de 2-3 autres. Moi, je veux bien, mais je veux que tu fasses un jingle avec la bouche pour le fast-forward. Ah oui, obligatoire. What? Ouais, j'ai pas la ref, là. Ça, c'est de la peur. Je veux bien te faire un jingle de Noël à base de chat. Non. Si tu veux, je peux chanter une chanson de canard. Dans tous les cas, il y a au moins un événement que j'ai envie de faire, même si je pourrais le reporter, mais j'ai quand même envie de vous le faire. Ça, il faut que je regarde si je dois vous le faire maintenant. En gros, il y a au moins un 10-18, une intervention de police que j'aimerais faire avant. Regarde le mois de janvier avant le début de l'éveil du truc, s'il y a d'autres choses. Ouais, ça fait un deuxième ouverture des Grammy Awards. Qui n'a rien à voir avec Stabbing Granny. Non. Stabbing Grammy Award. Bah, elle aussi, elle fait l'ouverture en plus. La meilleure agression de l'année. Ce que j'aime bien. Ah, si, c'est vrai, dans les événements. Je me suis légèrement laissé emporter. Alors, juste dans les événements qui sont marqués, il y a quand même à chaque fois qu'il y a marqué quand la machine à café elle tombe en panne. Hein. Pas toujours quand elle est réparée, mais à chaque fois c'est marqué quand elle tombe en panne. Ah oui, mais attends, c'est super important. T'imagines, toi, un commissariat sans machine à café, c'est comme un service informatique sans machine à café, c'est impensable. Ça, je peux pas vous le faire lire. Les années, Mais du coup, est-ce que la machine à café elle fait du thé ou elle fait que du café? Ah. Parce que si c'est que la machine à café et qu'il y a une autre machine qui fait le thé, moi ça me va. Ouais, mais non, un vrai copse boit du café. J'ai beaucoup aimé ton petit speech sur la mimolette. Ah, merci. Ouais, moi aussi, j'adore. Ça va. D'accord. Oui, des fois, j'ai des envolées lyriques qui me traversent la tête. Je vais juste mettre... Alors, il est où le chat? Il est où? Je vais rajouter 2-3 trucs dans le chat commun. Ça, je peux pas vous le mettre. C'est rigolo, mais je peux pas vous le mettre. Je vous le mets comme ça. Je pensais faire une annonce radio, mais comme j'y penserai pas, je vous le mets là. Ce que je vous mets là, c'est une annonce radio qui a eu lieu pendant le mois de décembre. Il n'y a pas de date précise, si ce n'est qu'au mois de décembre. Putain, je n'ai pas connecté, j'aime pas. Si quelqu'un veut le lire pour les gens qui les trucs. Je vous mets plusieurs trucs qui se passent au mois de décembre. Tu veux que je lise Chrome ou pas? Comme vous voulez. Moi je vous dis, cool quand même. Alors, l'ASD est averti par l'Army qu'une vingtaine de missiles Black Thunder leur a été volée. Un hélicoptère vient d'être abattu en plein downtown. La Stanza projette la production de la série L.A. Cops. Frank Chalmer lance une pétition contre ce projet. On sent un hélicoptère qui a été abattu. Abattu. Ça veut dire que c'est quoi, c'est... T'as appelé Murdoch, Denis? Comment c'était l'hélicoptère de film d'année 80, là? Thunderbolt, je sais pas quoi, là. Ouais, je sais pas. Tonnerre de feu ou Supercopter? Supercopter aussi. Supercopter, c'est la série, c'est Tonnerre de feu. Non, Tonnerre de feu, non. C'était. C'est une série Tonnerre de feu, d'ailleurs. Non, c'était Thunderbolt, je sais pas quoi. C'était un hélicoptère avec celui qui. En fait, Tonnerre de feu en Blue Thunder en anglais. Voilà, Blue Thunder, ouais. Voilà. Et ils en ont fait un film avec Roy Schneider, ils en ont fait une série aussi.
Ouais. Okay. Bah, moi, je connaissais que le film, tu vois. Donc, et donc, ils ont abattu le tonnerre de feu. Bravo, quoi. En gros, non, c'est les missiles qui ont abattu. Black Thunder, c'est les missiles. Vente record du poupon virtuel Melinda. Du poupon virtuel Melinda, mon Dieu. Ah. Ah, un bon casque de VR et quelques manettes un peu molles et c'est un poupon, monsieur. Et alors Tu l'entoures de stock, c'est le coup de la manette molle. Oh putain. Non, ah, et bon. Je rajoute à ça, bon, c'est pas ça, c'est par contre, je ne pense pas que c'est à la radio, c'est juste dans vos bagnoles. Ah, je dis quand même ça. Oh, oui, bien sûr. Et pour finir, donc, mémo de Henriette Bellfellow concernant la propreté dans les véhicules. Ouais. Jamais vomi dans un véhicule. C'est vachement faux. Faux. Merci de ne pas laisser vos miettes de donuts sur la moquette. Dans tous les cas, donc nous étions le 19 décembre, on passe directement au samedi 20 décembre. Nous sommes toujours sur un rythme de 7h-15h. Je vais le faire rapide. Hein. On vous annonce le 20 décembre, la brigade financière vous annonce le 20 décembre qu'elles ont potentiellement ce qu'il faut pour arrêter Alex Latanza. Clairement, il y a des problèmes sur ses comptes. Et il y a tout ce qu'il faut pour perquisitionner et le mettre en état d'arrestation. Et donc, ils viennent vous voir. Ah, Lex Latanza, ça dit quelque chose. C'est le producteur qui a buté la fille de... Ah putain, oui. C'est celui que j'avais rien contre lui, là. Oui. Ouais, eux, par ça, contre, ils vous trouvent pas mal de choses assez louches. Assez pour qu'ils puissent faire une perquis. Et le mettre aussi déjà en arrestation pour ça, parce qu'il y a de la fraude fiscale, hein, déjà. Génial. Et donc, il vous demande en fait d'être là pour l'arrestation parce que, clairement, le gars de ses investigations, il trempe avec les Old One. Oh, vache. Donc, ils aimeraient bien, la police financière, qu'il y ait des cops qui leur servent de garde du corps au moment où ils vont aller le voir pour lui signifier qu'il est en état d'arrestation et qu'il doit être escorté jusqu'au central. Et ça, c'est le lendemain, le dimanche. Mais là, on vous le dit le samedi, si vous voulez préparer des choses pour le dimanche. Ah bah... C'est la seule chose que... Mais les Hot One, c'est que des vieux grabataires en fauteuil roulant, non ? Oui, ils comptent du pognon, des hommes de main et tout ce qu'il faut. Une mafia à leur bac. Ouais, c'est ça. Tout de suite. Oui, mais c'est des mecs qui se sont rangés, ils vont pas sortir des flingues... Alors, clairement... la raison pour laquelle ils vous ont proposé ça, c'est que c'est vous qui avez donné aussi l'affaire. C'est-à-dire que... Je pense qu'on risque plus de se faire attaquer par une armée d'avocats que par des vrais bandits, en fait. Ils sont assez d'accord avec ça. Hein. Mais comme il y avait quand même eu potentiellement des tentatives d'assassinat, etc., qu'il y a déjà eu dans le truc... Bon, par contre, ils demandent que tu sois pas... si t'es là, tu es avec un masque pour toi, Obi. Hein. Oui. Pour Lynn. Parce moi, par contre, y a carrément conflit d'intérêts. Moi, par contre, je vais bien venir. Parce que je crois que c'était moi qui avais clôturé l'enquête parce que j'avais pas de preuves contre lui. Mmh. Bah, d'autant plus que moi, j'ai essayé de démarrer une petite couverture de flic ripou à ses yeux pour essayer de le baiser. Ouais, et du coup, bah, si je suis pas là, c'est rappelle, ouais. Mieux. Ouais. Ouais. Même pas que tu viennes et que tu viennes, c'est clair. Dans une bagnole loin, quoi. Ouais, mais je vais être pas très loin parce que je vous connais et que si ça tourne au mal, vous serez content que je sois là pas très loin, quoi. Voilà, mais honnêtement, c'est uniquement pour vous que je fais ça. Hein. Non, c'est pas pour nous, c'est pour tes stats, on le sait tous. C'est pour ton tableau. C'est pas faux. C'est pour ta feuille. Ouais, mais vous préférez quoi, que je remplisse des lignes ou que vous refassiez un perso? Alors, non, hein, on veut remplir des lignes en même temps que toi, nous. On s'en bat les steaks, on survivra quand même, on est capable de tirer par exemple, tu sais. Enfin, je veux dire. Ne redis pas ça. Pas moi à côté du MJ. Ah, tu veux que je fasse un montage? Sérieux? Y'a pas que Lynn qui s'est tiré, hein. Nous aussi on s'est tiré. Mais j'ai pas dit le contraire. Le lendemain, tu parlais de cul, là, non escorte la brigade financière.
Ouais, j'y suis. Ouais, je veux bien, moi. Bah, on va tous y aller. Non, Lynn, elle est en arrière-garde. Donc, qui y va avec eux pour faire la repère qui moi. Et, Ok. Ouais, bah, moi je aussi. Je partie des gens qui avaient remonté l'info qu'il y avait des trucs louches. Okay. Bah, Denis, il peut y aller avec Aria aussi. J'aimerais bien qu'il réponde, mais il répond pas depuis tout à l'heure. Donc, Si, si, je suis là. Ah, il est là. Mais oui, non, j'y vais aussi, hein, parce que c'est un plaisir de pouvoir arrêter ce gars. Ok. Bon, après, je peux vous courir avec un fusil sniper, par exemple. Ah. Donc, le lendemain. C'est vraiment s'il bouge. Hein. Voilà. 6h du matin, c'est-à-dire un petit peu avant que vous commencez, mais histoire de bien le réveiller. Et de le prendre à froid. Donc, vous frappez chez lui. On vous ouvre. On frappe fort. Ouais, ouais. Il était au courant, il est loin, non? Non, il est là, il se réveille, il vient c'est pourquoi exactement? On laisse les mecs okay. Là. Tu voulais pas le faire toi? Ok, bon bah. Bah, mais c'est leur enquête à la base qui. Oui, mais il te dit si tu veux, si ça te fait plaisir de dire qu'il est en état d'arrestation, il te laisse le dire, hein! Parce que, on te rappelle. En gros, celui qui va dire qu'il est en état d'arrestation, c'est lui qui va être tué en premier par les tueurs de la mafia. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Ah oui, donc vu que je suis nouveau. C'est pas grave, je laisse faire. J'ai Lynn qui me couvre, c'est bon. Moi, j'hésite. Si tu le fais moi, peut-être que les Italiens et les Chinois, les Asiatiques, enfin, les Japonais vont se taper dessus et s'entretuer pour savoir. Oh bah, je vais le faire. Ou s'allier. Je le fais alors, ok. Tout de suite, vas-y. Monsieur La Stanza, je. Ah, mais je vous reconnais, vous étiez sur le plateau de tournage. Oui, et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes en état d'arrestation. Ah, elle est bien bonne, mais j'ai déjà un de vos collègues qui est prêt à pas travailler pour moi dans mon nouveau truc de cops. Je suis désolé, les rôles sont quasiment tous bouclés. Je lui tends on a bien le papier, là. Donc, je lui tends en disant, non, je ne rigole pas, monsieur La Stanza. Vous êtes en état d'arrestation et nous avons un ordre de perquisition dans votre domicile. Bon, vous devriez attendre mon avocat. Bah, vous avez un ordre de perquisition, donc oui, mais... je t'attends pas votre avocat pour pouvoir perquisitionner. Pour l'arrestation, je suis le camp, pour la perquisition, je suis pas sûr. Ouais, la perquisition, normalement, t'as pas besoin d'avoir un avocat. Alors, ouais, moi j'aurais dit le contraire en fait, parce que l'arrestation, c'est l'interrogatoire qu'il a besoin d'un avocat, mais l'arrestation, l'avocat il en a pas besoin. Hein. Non, pour l'arrestation, tu peux l'arrêter comme ça. Voilà, donc on peut l'arrêter, et on peut pour la perquisition, il vous dit, tout le monde sort de la maison, mais il attend que vous demande que l'avocat soit là pour vérifier l'authenticité de tout ce que vous montrez. Il n'y a pas plus authentique que nous. Alors, il y a le mec qui est à côté de toi de la brigade financière qui te dit, on va attendre. De toute façon, ils ont mis la maison est encerclée, il n'y a personne qui peut sortir de la maison. Et s'il y a des trucs qui commencent à brûler dans la maison, c'est pas bon pour lui. Voilà. Donc ils font sortir tout le monde. Au bout de 10 minutes, il y a l'avocat qui arrive. Du coup, j'ai pas suivi. On est d'accord pour le sniper ou on n'a pas eu le temps Si, vous avez le temps. D'accord. Sniper, ok. Ça me va. Tu as la tête de Max dans ta ligne de mire, pas de soucis. Non, j'ai pas la tête de Max, j'ai sa jambe. C'est plus rigolo de le voir marcher sur une jambe. Il y a des baffes qui se perdent, c'est ça? Bon. Clairement, l'avocat arrive, et puis de toute façon, vous l'embarquez, le gars, et la perquisition se déroule sans heure, sans problème. Il a l'air d'être assez sûr de lui, en fait. Ouais, il y a du caca qui a dû le prévenir, en fait. Pas forcément. Non, pas forcément, peut-être que le mec, il planque tous ses trucs louches ailleurs et que sa maison est safe, en fait. Ou qu'il se croit intouchable. Oui, ou qu'il est intouchable. C'est l'hypothèse, en fait. Dans tous les cas, bah, à partir de là, en gros, pendant la perquis, ils n'ont pas besoin spécialement de vous. Après, vous pouvez lui donner un petit coup de main en faisant un petit jet... De perception scène de crime, histoire de... Perception... On a la manette Oui, si tu veux. Perception... Ok, scène de crime... Ok. Si vous faites plus de 4, je considère que vous avez trouvé des éléments intéressants pour eux. D'accord. Voilà.
4 perception. Ah, ça marche, hein. C'est 4, 4 ou plus. J'ai fait 14 et. Non, tu as fait 2. Ah, j'ai fait 2. 2 réussites. D'ailleurs. Oh putain. Eh, hey, tape là, Ouais. Yeah. Nous, c'est la première fois qu'on rentre dans un truc aussi bien achalandé. C'est... Voilà. C'est non, non, c'est, pas, non, magasin, non, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que t'as Denis qui te dit, au fait, tu sais, je suis papa, et puis qui commence à te parler de, du fait qu'il est papa, et toi, tu lui donnes des conseils pour élever son enfant. Voilà. Exactement. Ah oui, tout à fait. Oh. Alors déjà, tu évites de lui donner un drone trop tôt, parce que sinon, après, ça part en couille. Les sorties au bar et les scènes de crime, ça va devenir beaucoup trop chiant, là. Tu peux faire dire en disant, t'es sûr que tu veux en faire un psychopathe comme Emily? Non, je suis désolé, Max, tu n'as pas de favori au chapitre, tu as réussi ton jet, tu es concentré sur ta tâche, tu n'écoutes pas ces conneries. Je suis occupé. Voilà. Donc, clairement, bon, bah, Max, toi, tu donnes un coup de main intéressant en trouvant des trucs un peu planqués ou qui paraissent suspects. Par contre, bon, tes collègues, il y en a deux qui discutent et l'un qui fouille pas au bon endroit. Putain, il y a des moments où tu te demandes pour qui il bosse. Donc, bon, je vais voir le mec en disant qu'on a été repéré. Est-ce qu'il faut qu'on liquide notre collègue? Putain, c'est n'importe quoi. Ok. Comme je disais, donc je vais faire des ellipses temporelles. Je voulais absolument faire ça parce que c'était le truc. Je considère que sur la semaine d'après, c'est la semaine, une semaine de vacances pour certains d'entre vous. C'est la semaine du 25. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire en particulier? Qui est en vacances? Il y a moi. Et sinon, qui avaient décalé leurs vacances. C'était accepté. Il y a moi parce que c'est Noël et que ça correspond à la semaine de vacances d'Emily. Est-ce que et il y a sa rencontre avec son pater d'ailleurs. Ouais. Moi, je devrais aller avec. Bon, je serai pas en vacances moi, mais je pense que j'aurai le 25 au midi. Si je peux aller manger ou le soir ou le 24 au soir manger avec mes parents et ma compagne, ma copine. Ok. Une seconde, je suis en train de chercher un truc là. Il y a un truc qui me paraît bizarre dans ce que je suis en train de dire. Ouais, donc alors, on va le faire dans l'ordre un par un. Sur la semaine du 22 au 28, je vais faire joueur par joueur. Lynn, qu'est-ce que tu fais? Plusieurs choses. Je mets à jour les sites web de mes couvertures. Ok. Du coup, j'ai une couverture de blogueuse spécialisée arme à feu. Okay. Une couverture de chasseur de chasseur de détective privé, pardon. Ouais. Sachant que pour ce qui est des objectifs privés, clairement, quelqu'un qui est un peu spécialiste, le problème c'est que si il pousse les trucs, il y a des diplômes qui sont faux. Il y a des diplômes que tu peux pas. Enfin, il y a des trucs qui sont obligatoires à avoir. Hein. Tu peux pas donner comme ça. Enfin, il faudrait que tu aies des autorisations de tes supérieurs pour pouvoir que ça apparaisse dans dans la bonne base de données, on va dire. Ouais. D'accord. Et troisièmement, je veux me renseigner auprès du technicien sécurité réseau de l'ambassade russe pour essayer de l'approcher. Et donc l'idée, c'est d'essayer de le suivre, voir ce qu'il fréquente, s'il fréquente un bar, s'il fréquente un club associatif, un sous-club de sport, une salle de muscu, n'importe quoi. Et éventuellement son identité virtuelle pour essayer de m'approcher de lui pour essayer d'avoir des infos quoi à ce niveau-là. Deux jets, un jet de discrétion et un jet pour de coordination discrétion pour les filatures tout simplement et un jet pour la partie informatique aussi où on va faire un jet éducation informatique. Ça c'est la discrétion. Cinq succès. Et après, tu m'as dit informatique. En quoi? En éducation? Ouais. Voilà. Et bah, tout le monde n'a pas les mêmes dés. Hein. Non.
Bah, c'est des stats que j'ai descendues aussi. Hein, donc, Non, non, mais c'était... Il y avait un piège même... pour Shuba. Hein. Même la dernière fois, j'ai fait manger où je suis le plus fort et j'ai fait deux succès. Et j'ai fait ça toute la soirée. Donc... Et voilà. Je suis en train de chercher le truc. C'était qui le nom en fait? Je suis en train de chercher le document. C'est l'avant-dernier de la liste que tu m'as donné. Ouais, mais justement, mémoire. La liste, j'essaie de retrouver le lien que j'avais mis dans le chat, dans le truc. Et je sais plus où elle est passée. Bah, tu vas sur mindono.com et t'as plusieurs comptes dessus, donc tu trouves le bon compte et t'es bon. Ouais, mais justement, il y avait un lien que j'avais mis sur Cops dans la Discord et je sais retrouver le lien. Et justement, c'était plus rare. C'est chiant Discord pour retrouver des infos. Et c'est surtout que. Parce que c'est plus un chat qu'un truc de. Suite. Demande OMJ, c'est pas demande OMJ. Non. Si, c'est ça, demande OMJ. Voilà, mindomo. Ok, donc c'est lequel tu m'as dit ? L'avant-dernier, le technicien informatique de sécurité. Chambre. Oleg ? Dans la colonne... Informatique, enfin sécurité, défense. Ouais. Ouais. Et Oleg Lugin ? Ça doit être ça, ouais. Ok. Ok. Et donc, tu trouves en partie une partie de son identité virtuelle. Je vais pas inventer un pseudo, ça me saoule, mais voilà. Et c'était quoi l'autre truc ? C'était oui, ce qu'il fréquentait comme lieu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Majoritairement, il se balade beaucoup sur Little Mokba, donc la petite Moscou. Ouais. Et il fréquente surtout deux bars. C'est-à-dire deux bars, clairement, qui sentent pas la légalité. Enfin, c'est ton instinct de flic hein, qui dit ça. Ok. Mais du coup, dans son identité virtuelle. Il traîne sur des trucs de hacker, des choses comme ça ou... Ouais, oui. T'as fait combien de réussites, tu m'as dit ? 4. 4. Clairement, ouais, il traîne un peu sur des trucs de hacker, mais... ouais, un petit peu... Oui, bah, clairement, oui. Ça veut dire oui. Ça... Ok. Ça veut pas dire que ils se vendent pas de quoi que ce soit, mais il est inscrit à plusieurs forums et groupes en fait sur de la cybersécurité et sur du hacking et dont des trucs qui revendent des informations hein, sur le dark web. Bon. Mais il a pas l'air de participer. Il a l'air de s'y connecter, mais pas de participer. Ouais, c'est de la veille technique. Quoi. Ok, bah du coup, je l'approcherai un de ces quatre, mais faut que je trouve le bon angle. Aucun con. De façon préemptoire. Alors, voilà, c'était ça. Je voulais voir page 5, putain. Non, j'ai pas vu ça, page 5. Page 5, non. Joli. Ah, ok. Donc, après Lynn, on va passer donc à Clyde. Tu me disais que tu faisais bon, un truc en famille, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu fais pendant cette semaine ? Sachant que vous avez pour la plupart en service, hein, de toute façon. Bah, de toute façon, moi, je suis en service. Mm-hmm. Après, bah, je fais mes sortes de patrouilles, pas mal, pour attraper, pour essayer de me faire mettre par la hiérarchie. Okay. Non, mais et je corrige aussi les rapports des gens. Ouais. Oui, parce qu'on t'a un peu obligé. Ouais. Ça. Tu corriges mes rapports. Clyde ! Et ben à part le 24 au soir où je vais avec ma compagne et puis chez mes parents pour avoir le lien encore avec mes parents. Mm-hmm. Le reste du temps, j'essaie de savoir où ça en est l'affaire du. Bah, c'était la petite parenthèse là de la perquisition de la Stanza. Et puis sinon, j'ai fait des patrouilles et puis voilà quoi. Je fais mon boulot, quoi. J'ai des patrouilles, s'il y a des petites arrestations à faire, je fais. J'ai tout ce que j'ai sur le coude, de toute façon, j'ai rien d'autre. Donc, ok. J'ai rien d'autre sur le coude, je prends mes notes d'une dernière fois, maintenant je n'ai rien d'autre. Ok. Pendant cette semaine, vous entendez tous à la radio. De toute façon, j'ai pas. Attends, tu peux répéter ? Tu m'as pas demandé quoi que ce soit, en fait. Je suis en train de faire plein de trucs en même temps, je suis en train de complètement péter un câble. Excuse-moi. Tu m'as demandé un truc à faire ou pas Moi ? Oui.
Non, non, je dis juste que je regarde et je reprends mes notes, mais normalement, j'avais pas d'affaires en cours à part. Non, pour le moment, t'en as pas. T'en as pas, ça, donc. Ça viendra, mais pour le moment, t'en as pas. Ouais, donc c'est tout. Voilà. Ok. Donc, je vais passer à quelqu'un d'autre, mais avant, juste pour vous dire, durant la semaine, vous entendez que Alex Cruz et Simon Baditz, respectivement le bassiste et le percussionniste de Under Earth Song, ont disparu en cherchant Cassandra Lehman. Cassandra Lehman. Voilà, voilà. Ok. D'accord. Yes. Ça fait trois personnes du groupe qui ont disparu quand même. Ah, ça va bien. Commence à faire beaucoup. Commence à être louche. Il y a un producteur qui veut. Hein? Parce qu'à chaque fois que les membres d'un groupe ou qu'un chanteur meurt, là, les ventes de disques et de chansons D'accord. explosent. Là, ils sont pas morts, ils sont disparus. Oui, c'est okay. pour ça que j'ai dit bientôt. Donc, Max, toi, qu'est-ce que tu fais durant cette semaine? Déjà, je travaille, donc j'avance sur mes rapports, sur les rapports que tous les autres analphabètes sont incapables de faire. Coupable. Juan, Denis, Clyde. Mais Clyde l'assume, donc c'est une autre chose. Putain. T'as combien en bureaucratie, Clyde? Faut que je continue à descendre des trucs là, parce que j'ai pas fini de mettre ce que tu m'as demandé. Mais pour l'instant, je suis à 8. Ouais, en effet. c'est 7 le minimum. Hein. C'est bizarre, ouais. Bureaucratie, oui, normalement, c'est un truc de cops, donc tu l'as. Ah bah alors, 7. Vérifie, je suis pas sûr que ce soit 7. Hein. Non, je crois pas. Hein. Je crois pas que ce soit 7, hein. Je crois que c'est 8 ou. C'est 8. 9, hein. Ouais, j'ai fait comme on a dit. Mais... Non, je sais pas, il faudra vérifier. Mais on vérifiera en dehors de. Ok. Max. Je discute avec mon fils par téléphone et j'essaie de. Alors, non. Ton fils, le 25, il est avec toi. Ah, bonne nouvelle. Bah, du coup, je vais parce que ta femme, clairement, te dit que. Elle trouve ça quand même, elle veut que, quand même que tu le vois. Et le 25, si t'es disponible, il sera avec toi toute la journée. Et le 25, je suis disponible. Comme ça, elle n'a pas à payer de cadeau. Et je lui trouve un cadeau pour qu'on puisse fêter Noël correctement, tu vois, tout ça. Et je prépare un peu un drone. Non, pas un drone. Je suis déçu. C'est un cadeau qui marche vachement bien. Je peux t'en trouver d'avoir pas cher si tu veux. Je veux pas savoir à qui Emily l'aura volé avant. Elle l'a pas volé. À qui elle l'a racketté alors? Ah, racketté. Oh là là, mais. Bref, extorqué si tu préfères. Bref, donc voilà, et. Et ouais, et du coup, en plus de ça, j'essaie de garder des contacts, enfin de faire un peu la tournée des. Ok. Bon, ok, je vais toujours de tes contacts. D'ailleurs, il manque toujours un qui répond pas à l'appel. Bah, je fais des recherches sur lui, voir s'il a été retrouvé, si il y a des services de police qui ont trouvé un corps qui pourrait correspondre à lui, tu vois. Alors, vu qu'il fouille pas les entrepôts à Norwalk, non. La dernière fois, ça a pas donné grand chose, personne t'a parlé. C'est un peu le problème. Un peu le problème. Et donc? Je sais pas trop comment faire parce que là, du coup, j'ai pas trop d'infos sur comment le choper, comment le retrouver. Non, je sais pas comment le trouver. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'infos donc. Tu cherches un gars? Ouais, je cherche un mec atteint du gob au milieu de Norwalk. Bah, tu prends une photo, tu trouves le premier pécor à Norwalk, tu lui montres, tu lui dis tu le connais. Oui, non, merci, ouais, au revoir. Ouais, bah, un peu le problème à Norwalk, c'est la survie, tu vois. Ouais, mais tu connais quelques lieux en fait où il y a des gens. Hein. Le mec, tu l'as rencontré dans un bar à Norwalk. Hein. Bah, je fais le tour des bars de Norwalk et des trucs comme ça pour avec des. Tu me fais un jet de compétences sociales. Ok, bon, écoute. Prends un respuce à chien. Deux succès. Écoute, il y en a qui l'ont vu il y a de ça 2-3 semaines, mais c'est vrai que depuis un moment on le voit plus. En même temps, c'est pas la première fois qu'il peut disparaître pendant comme ça un mois ou deux. Alors, on pense qu'il est mort, mais des fois, ça lui arrive de revenir. Il était dans quel état quand ils l'ont eu? Habituel. Je veux dire, il avait pas l'air pire que d'habitude. Et est-ce qu'ils ont une idée d'où il traîne? Est-ce qu'il y a des endroits qui...
Bah, ils te disent clairement, il y a certains endroits, ils te donnent 2-3 endroits en fait dans Norwalk où ça lui arrive de traîner. Maintenant, ils l'ont pas cherché plus que ça non plus. Ok. Bah, du coup, je leur donne mon numéro, je leur demande de me contacter s'ils ont des nouvelles de lui, quoi, déjà pour commencer. Si c'est des endroits qui sont pas reculés, qui sont pas entourés par les clébards, je vais essayer de jeter un œil, quoi. Ok. Tu me fais un jet de sang-froid, j'ai envie de dire survie, mais ça n'existe pas. Sang-froid, instinct de flic. Dès que c'est un entrepôt non, mais, trop perdu... Sang-froid, instinct de flic. Fais pas chier. Écoute, tu fais le tour des endroits. Tu le retrouves, en fait. Tu le retrouves, en fait, il s'est monté une piole dans un entrepôt. Ça paraissait un peu bizarre. Et en fait, il est en train de complètement délirer. Il a l'air sous-nutri, de ne pas avoir mangé depuis plusieurs jours, d'avoir bu de l'eau de puits pendant plusieurs jours aussi. Enfin, il a l'air complètement. Et surtout, il arrête pas de parler d'une dame blanche. Il a vu une dame rouge, une dame verte, toutes les couleurs qu'il a vues. Hein. qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est juste une dame blanche qui a été défragmentée, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est tout. Il a sniffé une dame blanche à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle les secours en disant que... Bah, amène-le carrément à l'hosto, ça sera alors bizarre. Déjà, à Norwood, ils ne se déplaceront pas, et la deuxième, quand ils vont le voir, ils vont pas le prendre. Il n'y a pas une obligation équivalent CMU Il faut payer. Putain, j'ai pas les sous. Eh ben, tu prends sa température, tu lui donnes un antibiotique, un mort de Mars, et voilà Clairement, ouais, il a besoin d'être suivi dans un truc avec des soins, et il faut que quelqu'un paye les soins, sinon ça... Il n'y a pas un hospice quelque part où on peut le mettre? Tu peux le ramener à son bar. Ouais, du coup je leur demande s'ils savent s'il est suivi par quelqu'un, s'il y a un endroit où il va pour des soins. Ah non, il a pas les thunes. Moi j'adore, toi tu places quoi. Et puis, vu son état, tu peux directement le mettre dans le... Dehors, il y a un conteneur, tu le mets. C'est vrai que c'est un être humain. Bravo. Le silence était voulu. Hein. Okay. J'ai pas compris. Ok, bon. J'avais coupé mon micro, mais moi j'ai dit c'est pas faux. Hein. Conteneur que t'as pas compris? Non. Alors, bon, cette blague est interdite. Ouais, elle peut mourir de son vieil âge, hein, c'est bon. Voilà, c'est fini. Maintenant, on jette des pierres aux gens qui font ça. Hein. Sache-le. C'est mérité. C'est pas faux. Bon. Ok, bah écoute, je vais aller à une pharmacie la plus proche, leur demander ce qui peut l'aider à aller mieux, et s'ils me répondent dans la tête, je sais pas. Bah c'est une pharmacie, ils te disent un hôpital avec les soins appropriés. Et de préférence, un hôpital avec les soins appropriés, potentiellement avec un partenariat avec Casafa. Déjà, tu peux peut-être rappeler un cops qui s'y connaît en médecine, peut-être. Ya. Ouais. Ah non, Juan. Bah si. Non. Non, pas Juan. Tu peux m'appeler. Bon bah je t'appelle. T'es si doué que ça en médecine? Ah, si tu savais. Approche-toi. J'ai une question dans ce cas, pourquoi t'es cop, c'est pas médecin? Parce que t'as un peu loupé ta voix, tu es médecin, t'aurais de la thune, tu serais bien vu, très respecté. Je peux pas tuer légalement. Non, parce que j'aime bien cop, c'est mon destin. Et médecin, c'est parce que il faut que je rafistole ceux qui seront mal au point. Voilà. Quand j'étais en guerre, c'est des trucs que j'ai appris quand j'ai fait la guerre. J'étais en poste. D'accord, cool. Ok. D'accord. Il a quel âge ton personnage Il a déjà Morgan. Appris quand t'es blessé sur le champ de bataille. Comment mieux vaut l'achever comme ça. Il a quel âge ton personnage Ben je sais pas, il a presque. C'est un vieux briscou, il a déjà 39 ans. Bientôt 40. Un de ces quatre, je vais te montrer une photo et tu me diras si tu as. Croisé peut-être. Ça marche. Alors.
Bon, alors, tu m'appelles ou pas? Oui, je t'appelle. Ok, je décroche. T'es d'où, en médecine? Je me démerde pas. Ok, j'ai un cas qui a besoin d'une personne d'où en médecine. Okay. Nous sommes le 24, il est 15h. Ok. Bah écoute, je peux venir tout de suite si tu veux. Et mon fils, il arrive quand exactement? Juste le lendemain, le 25. J'y vais. Okay. J'y vais et j'envoie un message à ma compagne en disant que je serai peut-être un peu en retard, qu'elle aille déjà... À moins que tu connaisses un hospice auquel on peut amener quelqu'un et pour qu'il soit soigné, dans ce cas-là... Bah, je peux déjà venir t'aider et puis après, s'il faut, j'emmènerai à l'hospice. Ok. Fais-moi un jet de perception médecine. Ok. T'arrives sur place, tu vois à quoi ressemble le gars, perception médecine. Je peux le retrouver à mi-chemin s'il faut pour gagner du temps. Non mais ça change rien. J'ai fait tout, j'ai... Deux. Ouais, je me suis pas arraché. Perception médecine, moi je peux le faire aussi, que ce soit moi. Oh, il a plus que... c'est d'un côté, il y en a un qui lance 4 pour 4, l'autre 8. C'est 4, c'est 4, l'autre 8. C'est tellement moche. Oh non. Alors, pour le coup, Shuba, ça ne sert à rien que tu fasses perception médecine dans ce cas-là, parce que tu le connais, le gars, et tu sais déjà ce qu'il a. Ouais, mais justement, je sais pas si c'est le gob ou si c'est quelque chose qui fait ça, en fait. Ah, mais c'est de tout, hein, de toute façon. Torgen, tu comprends pas que le mec soit en vie. Il a besoin de soins d'urgence. Faut l'emmener à l'hospice. Non, tout de suite. À l'hôpital, pas à l'hospice. À l'hôpital, oui, à la morgue. À l'hôpital, tout de suite, à la morgue. Ouais, mais la majorité des hôpitaux, ils vont dire t'as de la thune, non, bah là, qui crève, alors, donc... Oh putain. C'est qui lui? C'est qui exactement cette personne par rapport à... C'est le fils caché de Hulk. Un mix entre Gollum et un mort-vivant. C'est le fils caché de Hulk avec la sœur de Gollum. Ce qui explique bien des choses sur son apparence. C'est un contact que j'avais, enfin que j'ai, enfin qui m'a donné des infos sur Norwalk. Et là, ça faisait un petit moment où j'avais pas de nouvelles de lui, et du coup, je suis un peu parti à sa recherche. Est-ce que, avec les connaissances que j'ai, est-ce que je peux savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Par exemple, je sais pas moi, café, médicaments ou quoi que ce soit pour qu'il soit moins pas bien? Enfin, sans l'emmener à l'hôpital, toi? Ah non, il n'y a pas moyen, en fait. Hein. Dans son état, il a besoin d'un traitement. Oh, putain. Il doit aller à l'hôpital pour être mis sous respirateur, sous perf déjà, et en plus avoir un traitement lourd. Puis je parie que ben il peut pas payer quoi. Ah bah c'est un robot, hein. c'est un mec qui vit dans la rue, hein. Donc non, il n'avait pas de quoi payer. Et je vais être honnête, moi non plus. Et ça coûterait combien? Quelques dizaines de milliers de dollars. Non, pas quelques dizaines de milliers, mais ouais, clairement. Le traitement complet, tu vas compter 5 000. Ils sont pas chers. C'est pas cher, c'est parce que je veux que ça soit accessible, en fait. Que ça soit chiant à faire. Putain, c'est pas accessible à tout le monde, hein, 5 000. Cet indique-là, t'en as besoin ou pas? Bah, ce qui vaut le coup. Ce qui vaut le coup. Ce qui vaut l'investissement. Il a des infos sur Norwalk, il peut nous donner des infos s'il y a des trucs qui se passent dans le coin. Ça peut toujours être utile d'avoir un indique dans le coin, parce que c'est un quartier pourri où il y a quand même pas grand monde qui est... Ah putain. C'est ton guide de Norwalk, hein, quand même. Hein. Aide-moi à charger la voiture. Je sais pas comment je te rembourserai, par contre. Hein. Ouais, non mais t'inquiète, t'inquiète, on se démerdera, tu me donneras un service à la place. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de Juan? Et c'est pas de ce moment-là. Mais je suis pas dans ta peau, t'as de la thune, enfoiré, même si t'arrêtes pas de faire le radin. Bon, on l'emmène à l'hôpital et puis si je paye le traitement. Ok, bah tu te mets moins 5 000. Ok. Et il va être à l'hôpital pendant quelques semaines. Heureusement que c'est pas face à moi que t'as pris cette dette, hein. Oh putain. Oui, bah, je sais bien, t'inquiète pas, je sais bien, je serai ton boulot, je serai ta pute, tout ça, j'ai bien compris que toi, il faut pas te demander le moindre truc, t'inquiète pas, j'ai compris. Ah si, tu peux me demander, y'a pas de problème. Non. On peut te demander des trucs, on va juste le payer, mais tant qu'à faire un pacte avec le diable, au moins, autant que ce soit vraiment le diable, tu vois. Bah, t'organes, c'est le diable.
Non, je fais pas un pacte avec le diable, je demande un coup de main à un collègue sympa. Bon. Ça, c'est pas un collègue sympa, c'est un pigeon. Oh putain, l'enfoiré. Ah merde. Bon, dans tous les cas, de le 25. Ils sont généreux, c'est ton problème. Comment s'appelle ? Denis. Oui. Tu fais quoi, toi ? Toute la semaine du 18, enfin du 15 du 22 au 28 décembre. Bah, je prépare Noël sûrement aussi avec ma petite famille et peut-être Joao aussi. Et, voilà. Ok. Et plus les interventions, etc. Bon, la police, quoi. Tout le. Ok. Mm. Je reviendrai sur un truc qui s'est passé le 25, mais pour le coup, ça vous impacte pas directement. C'est juste une info, mais bon. Il reste plus que Juan. On va dire que le week-end avant le 25, il y a la visite d'Emily à son pater. Donc, ouais. Au pire, je l'amène, mais. Pas de demande de rester dans la voiture pas loin. Ok, c'est ça, mais je suis pas loin, mais c'est. Et avant de partir, elle dit laisse le moteur chauffer. Et elle ferme la porte. Je sais pas comment je vais le prendre. Non, je regarde ça de loin, quoi. Si t'entends des coups de feu... Ou si t'entends ornithorynque. Ouais, c'est ça. Au bout de 3 heures, elle... J'ai coupé le moteur, quoi. Parce que j'ai pas... Elle revient un peu en courant. Elle fait « Vite, 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 démarre !» T'as mis Lee, s'il te plaît. Vérifie si elle a pas un masque à la main, tu vois. Enfin, Non, elle a un couteau plein de sang. Non, elle déconne. Non, elle fait pas ça. C'est bon, tu peux démarrer. Tu vois qu'elle est un peu émue. Voilà. Je m'en doutais. Écoute, tant mieux. Et puis, on va préparer Noël. On va faire des trucs et des machins. Ce qui prouve qu'elle a un cœur. Voilà. Ça... Cœur de pierre. Je lui en parle pas pour l'instant. J'attends de voir si c'est elle qui va m'en parler et tout. Et puis, non, t'en parles pas. Mais je la bouscule pas, je la force pas, et puis on va préparer Noël, parce que c'est Noël, et puis c'est pour ça que j'ai pris ma semaine. Pendant la journée, elle va te dire juste ça, c'est bien que je le vois pas souvent. Ok. Message reçu. C'est bien quand même que tu le vois de temps en temps. Oui. Le 25, donc deux informations plus ou moins importantes sur les cops qui travaillent avec vous. Donc Naomi Matsuda dit, c'est Oya, si je ne me trompe pas, je vérifie, c'est ça, Oya. C'est briser les jambes. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Une chute... alors, si j'ai bien compris, elle a sauté une cascade. Elle a oublié de prendre son parachute. Elle a que les jambes brisées ? C'est une adepte du saut en parachute sans parachute. Ouais, elle a les deux jambes fracturées, des ecchymoses un peu partout et un sourire banane accroché au visage. Parce qu'elle a réussi à coincer les types qu'elle poursuivait. Ça pue le fail, ce truc, mais bon. Elle a sauté, elle s'est accrochée au mec qui sautait en parachute et elle a atterri comme ça. J'ai pas exactement les détails. Parce que j'ai juste l'échange en fait de discussion de plusieurs cops qui parlent d'elle, comme quoi elle est à l'hôpital. Je lis. Hein. J'ai appris que Naomi était à l'hôpital. Elle va bien. Réponse. Pour une tarée devenue adepte du saut au parachute sans parachute, plutôt ouais. Elle a les deux jambes fracturées, des ecchymoses un peu partout et un sourire banane accroché au visage. Parce qu'elle a quand même réussi à coincer les types qu'elle poursuivait. Est-ce qu'elle me détrône sur la place du plus mauvais flic du COPS ? Non. Parce qu'elle a chopé, les gars. Merde. Et il y a des gens qui parlent, et a priori, elle a demandé à s'inscrire aussi à un stage de sport. Et ça te fait rire. À côté de ça, Hawkins a pris Diams, Jones et Shark dans son bureau pour leur confier une enquête. Père, vous ne savez pas de quoi il est question, mais vous êtes au courant qu'en gros, donc je répète, je vérifie les noms parce que comme j'ai que... Alors, Diams, c'est... comment s'appelle C'est la nouvelle, non? Ouais, c'est la nouvelle. C'est Zhuang Wing Kafu.
Jones, c'est Catalina Jones, donc Cheyenne, donc c'est aussi une nouvelle. Et Shark, bon bah Shark, si pour le coup, c'est Matthews McDill Shark, même si on l'a pas beaucoup joué, c'est déjà un ancien du truc. Et en gros, les trois, a priori, ont été mis sur une enquête, mais... ils ont été mis ensemble sur une enquête, mais on n'en sait pas plus. De toute façon, Katayda Jones et Zhuang Wing Kafu font équipe actuellement. Ok. Cheyenne et Diams. Ouais. Donc voilà, c'était pour vous donner cette info. Je ne sais pas, réellement, je ne sais pas si elle servira à quelque chose, si elle a un intérêt. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour le moment, je n'en sais rien. Je n'ai pas vu quelque chose dessus. Le 25, c'est bon. Ça, on y reviendra plus tard. Tac, tac, tac. Je vais faire une petite ellipse temporelle, sauf si vous avez des trucs encore à faire. Non. Ok, le 31, il y a un concert, donc on s'en tamponne. Bah, de qui ? Le concert du 31, concert du Nouvel An par le Californial Philharmonia Orchestra, ça fait partie des trucs que je vous ai filé des manifestations culturelles. Le 1er janvier, on a Diva et F qui sont déprimés. Et le 1er janvier, il y a une. Ouais, il y a. Je sais pas qui. Est-ce que vous bossez tous le 1er janvier ? Oui. Ok. Bah, moi, en tout cas, il y a un 10-18 que je fais qui a fait à toutes les patrouilles. Vous finissez votre service, vous êtes au service de nuit. Donc, 23, c'est 23-7. C'est simple, à 6h du mat, toutes les voitures de patrouille sont appelées sur les hauteurs de Hollywood. Il y a une quarantaine de gens qui se comportent comme des animaux. A priori, il y a dû avoir une pyramide. Il faut absolument aller les neutraliser. Pas les tuer, hein. Les arrêter. Et vous êtes appelés. Je prends fusil à pompe avec balles caoutchouc, mais je prends des vraies balles caoutchouc cette fois. Je vais pas le faire jouer. Je vais juste vous demander comment vous gérez la chose pour vous dire après comment ça va se passer. Mais en gros, vous arrivez à plusieurs voitures de police. Il y a des gens en fait qui attaquent d'autres personnes en les mordant, en les griffant. C'est le chaos. Ils essaient de bouffer des gens en fait. Et ils sont complètement high, quoi. C'est des drogues des zombies. Est-ce qu'ils parlent serbe ? Non, ils parlent pas serbe. La question, c'est comment vous gérez en tant que patrouille, parce que vous avez le truc, c'est que plusieurs voitures de flics arrivent sur place, il n'y a personne qui a pris d'initiative sur place, donc je vais vous demander de gérer ça. On va se donner une vingtaine de minutes pour faire ce petit 10-18 à 5, c'est chaud, mais je vais faire un par un. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Si on a reçu l'ordre d'être non létal, on va y aller au taser. Le seul problème, c'est que le taser, c'est un coup, quoi, donc... Que t'as un taser dans ton équipement. Mais moi je propose une solution. On n'a pas ça d'office dans la bagnole ? Non. Sauf si tu l'as acheté. Moi je propose une solution. Simple. On fait un cercle complet, tout le monde avec des fusils à pompe avec balles caoutchouc et on avance en tirant. T'as pas de fusil à pompe avec balles caoutchouc, je rappelle. On a des tonfas. On a que nos flics. Et... Bah sinon ça va être au point. Hein. Au cac quoi. Je vois pas trop comment. Alors, c'est mon job. T'as sûrement Denis à côté qui te montre que à ta ceinture que tu as un ton fa. Oui, mais lui, c'est censé. Tweet. Quand je dis au point, c'est avec le ton fa, forcément. La passion de Denis pour le ton fa a quand même un côté un peu étrange. Enfin, je veux dire. Non. Tu veux parler de ce symbole phallique qui m'a... Ne demande pas à sa femme. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Alors, Juan, toi, t'es en train de parler du fait qu'il faut faire au point. Les autres... Donc, y a Max qui propose de faire d'organiser, en gros, les troupes sur place pour faire un demi-cercle et entourer une quarantaine de personnes avec une quarantaine de flics. Bah ouais, on coince et puis on les chope un par un. Et puis L'idée de faire une nasse, c'est pas... Moi, je ferais un mur avec les bagnoles et nous, et je filtrerais les victimes pour les mettre derrière les voitures et pour les faire passer à l'abri, et garder en gros les mecs dangereux devant nous. Et comme ça, une fois qu'on a la dizaine de mecs dangereux, ben on les coffre, quoi. Sachant que vous êtes sur place actuellement, vous êtes 4 cops, enfin 5 cops,
et des gens de la métro. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait les parquer dans une espèce de triangle, c'est-à-dire qu'il y aurait un coin de mur où on pourrait les... Ils sortent d'une pyramide, les triangles, c'est leur plaît, ça tombe bien. Avec des voitures, on le fait. Hein. Parle, ouais, tu parles, ça sert à rien de faire si tu veux parler. Parle. Non, mais c'est pour essayer d'en placer une, parce que j'y arrive pas depuis tout à l'heure. Ouais, vas-y. Bah, moi, j'ai un stage de gestion de foule. Je peux le mettre en pratique. Oui. Et diriger vraiment une gestion de foule avec tout l'effectif qu'on a, quoi, en fait. Ok. Avec l'aide des voitures comme Lynn le propose. Bah, ça peut être une bonne idée, oui, parce qu'en fait, comme ça, on peut. C'est vraiment, en fait, on va comme elle a dit, on va séparer le bon grain du mauvais grain, quoi. C'est... Ok. Tu me fais un jet pour donner les ordres un peu à tout le monde. Monsieur Wedge. Donc ça va être sang-froid, intimidation. Du coup, attends, sang-froid, intimidation, mais j'ai un stage qui me permet de gagner un dé en justement. Il n'y a que toi qui sais. Je ne vais pas lire ta feuille par cœur, hein. Je ne connais pas ta feuille par cœur. Ah, ouais, non, mais de moi, j'ai un. Attends. Peter par cœur, non. Oh. Ouf. Cette blague mérite un c'est pas faux. Je suis assez d'accord, hein, mais. Oh, je sais plus où est-ce qu'il est ce stage, raconte. Bah, écrit dans tes stages, non? Si, bah justement, c'est dans gestion de foule, c'est plus un dé de sang-froid pour. Bah vas-y, hein. Émeute, interrogatoire et intimidation. 4. Pas mal. Ok. Bah, tu donnes les ordres avec ton stage, tu donnes les instructions. T'as Lynn et Max qui te donnent aussi quelques idées intéressantes, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Hein. C'est-à-dire que, en gros, vous organisez pour filtrer et en même temps faire un peu une nasse. Ce qui fait que ça vous permet surtout de tenir le temps que d'autres forces arrivent, en fait, parce que vous étiez à égalité et les mecs de la métro, face à des types enragés, sont contents d'avoir des voitures entre eux et. Qui servent un petit peu d'obstacle. Bah, c'est surtout pour essayer de faire le moins de victimes possible, en fait. Ouais. Ça aussi, quoi. Ouais. Dans tous les cas, vous gérez la situation comme vous pouvez. Vous me faites tous un jet de carrure, quand même. Pur. Sérieux? Ouais. Bah oui, parce que c'est le jet qu'on fait jamais. Donc. ça dépend qui. Oui, mais. Oh, bon, putain. Bah, ça, c'est fait, hein. C'était quoi le seuil Oh, bah, bienvenue au club. Ici. Oh Ah, c'était sûr. Hein, Magnifique. Est-ce que vous voyez mon face flame, là? À l'exception de Denis, les autres, vous vous faites, en fait, mordre par des gens. Le seul truc, c'est que, bon, vous avez un peu l'équipement du COPS sur vous, et les plaques de carbone versus les dents. Vas-y, mordis la plaque, mordis la plaque, casse-toi les dents. Voilà, clairement, c'est pas agréable dans le sens où il y a quand même des gens qui sont sous drogue, qui se jettent plus ou moins sur vous, vous avez du mal à tenir. Ça me rappelle, c'est le moment sextape un peu, hein, tu sais. Oh. Vous êtes bien content quand même de voir les renforts pour vous aider. Quand même. Elle est énorme celle-là, je suis désolé, mais. Fait que tu la sortes, quoi. Ouais. Depuis sa sextape, elle en peut plus, elle adore le contact humain en fait. Ouais. Elle en peut plus. Donc, dans tous les cas, les renforts arrivent et le nombre de flics versus le truc. Tout ce petit monde, donc quand même 40 personnes, donc, quand vous regardez, quand vous voyez derrière, ils ont quand même tué des gens. Il y a des gens qui sont morts derrière. Ça fait 40 personnes qui sont après donc mis enfermées, puis mis en quarantaine. On va faire comme les cannibales. On va faire vider leurs estomacs pour savoir qui a tué qui. Si ça se trouve, ils ont peut-être des morceaux d'enfants dans l'estomac. Bah après, le truc, c'est que cas, manger... tu peux manger quelqu'un donc, sans le tuer. C'est, c'est le 1er janvier donc 2032, et ça vous fait quand même commencer l'année sur une arrestation de 40 personnes. Pas mal. Niveau quota, yeah. On est pas mal. Tard, on est bien. Niveau année, niveau année tranquille, par contre, ça annonce, ça augure pas du bon. Je rappelle quand même pour tout le monde que nous sommes donc jeudi 1er janvier 2032 et que dimanche 4 janvier, il y aura le début quand même du championnat interamérique de pelote basque à Montebello, pour ceux que ça intéresse.
Ah, la pelote. Ah bah oui, bien sûr, on n'attendait que ça. Désolé. Il y a des gens qui jouent à la pelote basse en Californie. Bah écoute. Faut croire. En tout cas, les auteurs de Cops l'ont marqué. Il y en a un qui doit être du Pays Basque, non? Il y a des chances. Mais tu regardes, mais c'est en Floride où t'as aussi pas mal de murs de pelote basque. Ouais. Ouais, mais c'est pas... C'est une sorte de, non? C'est pas... Bah, en tout cas, c'est très proche. Ils ont même, je sais plus le nom, là, l'espèce de gant, là. Mais je sais plus le nom est réel. Ok. Je vais directement passer au scénario. Réellement, je regarde les différents trucs. Alors, ouverture des Grammy Awards le 5 janvier. Moi, je suis désolé. Je veux ma scène, Juan et joue Samantha Fox, là. Charisma Fox. Hein? Alors, voilà. Tu poses... Juan, juste la question. Est-ce que tu passes ton 31, je parle au moment où tu bosses pas, hein, avec joue Charisma? Bah oui, parce que j'ai fait Noël, c'est pour la famille, et Nouvel An, c'est pour... Ok. Sachant que normalement, dans la semaine, tu devais lui présenter ta fille. Oui, j'en profite aussi, hein, étant donné qu'elle est là. Écoute, pendant la semaine. Donc, Tu lui présentes ta fille, ça se passe super bien entre les deux. Réellement. Ils ont remplacé ta fille par un clown ou par un robot, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, elle est normale, presque. Je vais aussi faire un rapport sur mon collègue qui a l'air de prendre ses super bien, et pas les deux... elle parle d'homicide et d'enquête de flics. Hein. C'est pas joyeux, c'est un peu glauque. Mais elles s'entendent bien. Mais c'est glauque. Je sais pas si je dois bien le prendre ou mal le prendre. Mais... je sais, glauque, c'est juste un adjectif pour le mot vert. Hein, donc... Il y a une seule question qui se pose par rapport à ça. Il y a Jou Charisma qui te demande, en fait, au 31, en fait, si tu veux te fiancer avec elle. Elle est pressée. Ah ouais, j'allais dire, oui. Elle me fait la déclaration en mettant un genou à terre en m'offrant une bague ou... Alors, il n'y a pas la bague, mais on n'est pas loin. Waouh. Sinon, elle va te casser le genou, sinon. Waouh, j'étais pas préparé à ça, mais en même temps, il va peut-être falloir que je me case, mon petit pépère. Donc, et puis, sait-on jamais. Et la semaine d'après, dans la semaine, vous parlez de vie commune. Je réponds que oui. Ok. Elle te propose, vu que t'as un grand chez toi, de dormir plusieurs jours chez toi, voire finir par emménager. Bah oui, comme ça, je mettrai aussi Emily au courant que. Enfin, elle s'en doute bien, hein, vu que j'ai présenté et tout, mais. Emily, t'as cassé les couilles avec ça, en fait. Oui, mais ça, je m'en doutais, c'est bien son genre. En dehors du mariage ? Blasphème! Non, ça n'a pas l'air de la gêner plus que ça. Et du coup, qu'est-ce que Maria, elle en pense? Maria. Je pense que pendant tes vacances, ma sœur. Mais ta sœur, tu sais qu'elle était à l'hosto, t'as toujours pas été la voir. Si, quand même. Oui, tu t'es fait refouler à chaque fois. Et tu sais pas si elle est sortie de l'hosto, en fait, depuis. Tu t'en es même pas intéressé. Je vais squatter au SWAT régulièrement pour essayer d'avoir des infos. En fait, quand t'arrives au SWAT, t'as l'impression que tout le monde te méprise. Ça, c'est que j'ai l'habitude, tout le monde fait non, ça. Non, non. le frère. Ça, il m'en vole toujours pour ça. Alors techniquement, le frère, il est mort. Hein. Oui, c'est vrai. En plus. Oui. Et puis. Le cops alors, ça va être. Le cops, ouais, voilà, ça, on a l'habitude. Ouais. Attends, ils comprendront pas que même nous, on savait pas qu'il y avait des bombes dans ce putain de truc. Écoute, il y a un SWAT qui finit par dire, écoute, elle veut pas te voir pour l'instant. Elle en a marre des cops. Eh ben, qu'elle m'appelle. Si elle me voit pas, on peut se parler. C'est ça. Au revoir. Je crois qu'ils essaient de t'empêcher de la contacter, mais c'est une impression. Je pense qu'il la coupe complètement du monde. Et je lui enverrai des SMS aussi. Pas de réponse. Moi, je te parie, allez, $50, qu'elle va nous appeler à la rescousse et qu'on va aller encore la chercher au Mexique. Hein. Ça serait, j'aimerais tellement le faire. Alors, ça serait très drôle. C'est un truc que je ferai certainement après le Nouvel An. Donc après l'arrestation, les trucs, et avant que tu démarres ton truc, c'est prendre un contact avec l'ambassadeur mexicain à Los Angeles.
Alors, va falloir aller à Los Angeles, en fait, si tu veux prendre contact avec l'ambassadeur mexicain. Oui. Mais bon, c'est juste pour le prévenir de l'affaire des cannibales qui bouffent les mômes et qui pourraient avoir des ramifications. Pas, alors, le truc, c'est que tu n'auras jamais un ambassadeur. Tu le connais pas, l'ambassadeur actuel. J'ai pas un contact. Je sais plus, dis-moi. Moi, j'attends. Hein. Attends, hop, on va revenir. Boum, hop, on va regarder. Hop, boum. Ici, alors. Parce que si tu me dis que t'as la présidente du Mexique en contact. Non, c'est pas comme ça. où est-ce qu'elle est où est-ce qu'il est ce connard? Mauvaise nouvelle, elle est morte. Severino Casillas Pedrosa. Et à ce moment-là, tu lui envoies un mail seulement. Oui. T'as pas besoin d'aller plus loin, en fait. Ou je l'informe, en tout cas, que. Il y aura certainement des ramifications de cette affaire au Mexique et donc il faudrait que. Alors, tu as une réponse. Faire en sorte que la police mexicaine collabore avec. Non, mais tu as une réponse qui te dit que tu lui donnes aucun élément qui lui laisse à penser ça. Je lui parle quand même des gens qui. On est évadés. Il n'y en avait pas un qui est carrément marqué dans le forum qu'ils avaient passé la frontière et tout et tout. Oui. Et en fait, le truc, c'est que c'est ta conclusion. Hein. Sont barrés au Mexique, ça ne veut pas dire que la ferme est au Mexique. Non, mais si on doit pouvoir éventuellement en arrêter un pour savoir où est cette foutue ferme. Non, mais de toute façon, si tu lui passes les photos des mecs, plutôt, à ce moment-là, il les transmettra à la police. Ok, bon, déjà ça te fait. Il n'est sûrement pas acheté d'ailleurs. Mais t'as essayé de pousser vers les gamins des rues pour voir s'ils avaient pas une idée pour t'aider à localiser la ferme. Bah, le problème des gamins des rues, c'est qu'ils sont sur Los Angeles, ils sont pas à l'extérieur. Et les ils se souviennent pas d'où ils venaient. Donc, Tu peux en prendre et les traîner, non ? Non, je vais pas faire des chèvres. et sinon, je pensais peut-être fabriquer des petits. Des petits émetteurs qui, en gros, ils appuient sur un bouton et ça t'envoie un message comme quoi, voilà. Et tu les donnes aux gamins, et comme ça, s'ils sont kidnappés, ben pouf, ils t'appellent. Ou s'ils ils reconnaissent un endroit qu'ils ont déjà vu quand ils ont été kidnappés et qu'ils ont survécu. Bah, déjà, les deux, ils sont dans les services sociaux, donc eux, ils sont pas à la rue. Et je suis pas certain que s'il y a une dans ferme, tous les cas, ils vont, ça sera après kidnapper le scénario. Des gens comme ça, étant donné qu'ils préfèrent des produits bio, ces gens. D'accord. Donc, jeudi 12 janvier 2032, 7h du matin, à l'ancienne poste de Southgate. Jeudi 12 janvier 2032, 7h du matin, à l'ancienne poste de Southgate. Radio Flash, bonjour. Aujourd'hui, pluie et pluie. Pluie acide au nord. Ne sortez pas sans votre parapluie blindé ou préparez-vous à avoir une permanente gratuite. Au sud, pluie diluvienne. Découvrez les joies du sport nautique à Compton-sur-Plage. En mer, c'est la tempête. Ne sortez pas, tout simplement. Plusieurs vols ont été détournés de l'axe, dont les niveaux enterrés sont toujours inondés. La police, les pompiers ont repêché leur troisième noyé de la matinée. On écoute Sinatra et je vous laisse deviner quelle chanson. I sing in the rain. Pardon. Donc, je vais vous lire l'introduction pour le coup, c'est-à-dire ce qui est marqué. En écoutant les nouvelles, on peut prendre un billet pour aller sur une colonie sur Mars. Nos cops sont dans l'ancienne poste de Southgate. Des immeubles en ruine devant eux, la voie ferrée surprotégée dont les murs sont barbouillés de symboles obscènes, les rues inondées où flottent des rats, chats et chiens crevés, et l'impression que le gamin qui a servi le café au snack a pissé dedans pour se marrer un bon coup. Sale matinée pour les cops. Depuis plus de 2 heures, ils attendent la camionnette de surveillance numéro 2. De surveillance, entre guillemets. Elle n'a que le nom. Aucun matos, des sièges humides, des vitres teintées, c'est-à-dire opaques, des trous dans le toit qui laissent passer la pluie. Super temps. Bon, c'est vraiment une sale matinée. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour faire plaisir à Gino, le chef des Caliente 45. Des petites frappes comme les autres à qui les cops sont passés un accord bidon. Et puis il y a ce Tom Cassidy.
Comme prévu, il est là, dans sa voiture pourrie, avec son imperméable puant et ses manières de fouine du SAD. Encore plus puante. Il se cache à peine. Lui, il attend une seule chose, l'erreur, la fausse note qui font jouer les cops. Il se moque des gangs, il se moque des malfrats. Tout ce qu'il veut faire plaisir, c'est faire plaisir à son chef, Damasque. Bref, tout va bien, si ce n'est pas l'humour désopilant du speaker de Radio Flash qui va arranger la situation. Gino leur a dit que les anciens propriétaires de la poste, les Los Chopos, faisaient leur comeback dans la rue et qu'une attaque devait avoir lieu ce matin. La présence de la police, a précisé Gino, sera bien utile pour, entre guillemets, éviter un bain de sang bien regrettable pour tout le monde. En gros, le chef de gang veut des gardes du corps et en échange, il ne va pas transformer cette rue en champ de bataille. C'est pas légal. D'où la présence de Cassidy du SAD. 7h21 du matin. Alors que la pluie redouble de violence, les cops ne voient pas le tube apparaître en haut de l'immeuble à l'angle de Post Street. L'action est rapide et pourtant, l'agent du SAD la revoit presque toute la nuit au ralenti. Le train hurle derrière le mur tagué. Une ligne de fumée blanche file vers la fourgonnette. Cassidy n'a pas le temps de s'allonger sous son volant pour éviter le souffle de l'explosion. Sa voiture est presque soulevée alors qu'il est qu'à 50 mètres du point d'impact. Il a du verre planté un peu partout à l'intérieur de son véhicule. Il est même certain d'être blessé. Mais malgré tout, il trouve la force de s'arracher à son siège et de sauter sur le trottoir. Et c'est mieux pour lui. En effet, la boule de feu qui a été un jour une camionnette s'écrase sur sa voiture en explosion une seconde fois. Son hurlement se perd dans celui d'un autre train qui passe. Autour de lui, tout n'est que acier, flamme et fureur. Les pompiers expliqueront qu'il n'a pas été gravement blessé et que ça tient du miracle. Par contre, les cops, il n'en restait pas grand-chose, malheureusement. Un pompier utilisera même le terme d'acte de guerre en décrivant l'état des cops. Sale matinée pour les cops. Jeudi 6 janvier 2032, au central, 10h du matin. Je parie que c'est nous. Donc c'est une semaine avant. Enfin, une semaine. Six jours avant. Radio six Flash, jours. Bonjour. Zion, zion, zion du bois. Pour la mère E, zion, zion, zion du bois, pour la mère Rastafaria. Aujourd'hui, men, c'est la Saint-Bob. Alors, secouez votre S, mais pas trop, secouez-vous les fesses. Allez, vous allez louper le métro. Sinon, c'est un temps plutôt agréable pour ce mois de janvier, mais le monsieur météo est pessimiste pour les jours à venir. On s'écoute le dernier type de Mongoro, Nika Fuka, un titre prometteur. Yeah. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Grand Bob. La ville est aux couleurs rastafariennes. C'est une matinée comme les autres pour le COPS, empêtrée dans les affaires courantes. Le SAB est venu mettre la pression sur plusieurs rapports. La mairie va à l'eau, les directeurs du service du LAPD sont à cran et le café a un goût d'ammoniac. Donc une journée plutôt calme. Yeah. Ils font toujours pas les inscriptions pour aller sur Mars et établir une colonie ? Vous êtes donc 10h du mat, donc vous êtes de 7h à 15h, hein, 7-15, vous faites 7-15, vous avez déjà fait votre roll call, et actuellement, vous répondez en fait aux appels d'urgence. Vous faites la patrouille à deux voitures, dans le sens où vous êtes dans le même quartier. Et donc, on vous appelle tout à fait cessante, toutes les deux voitures, vu que vous n'êtes pas loin, du côté de Burbank, au croisement de North Glenog and Boulevard et East Olive Avenue. C'est le centre-ville de ce quartier coupé par la Golden State. On nous appelle pour quel type d'intervention ? Fusillade ! Bah, on y va toute sirène hurlante, alors. Donc, a priori, fusillade garde-gang. Ah. Il y a déjà plusieurs blessés sur place. Ouais, j'y vais toute sirène hurlante pour faire plaisir à Mac, je lui fous le générique de Hooker, comme ça il sera content. Je ne le ferai pas. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est okay. Toi qui cette voiture-là, l'autre voiture. Tu t'identifies au cœur, ça me plaît. On est obligé d'y aller. Ah bah oui. Oui, c'est un peu notre job. Ça fait le pompier qui a une alarme incendie, on est obligé. Sachant qu'en plus, vous avez depuis le début de la semaine
eu des rappels comme quoi les cops doivent faire plus de présence dans, pour camier les jeunes d'un quartier relativement plaisible et résidentiel. C'est-à-dire Burbank, c'est-à-dire vous êtes en force en termes de cops sur Burbank pour montrer la présence. Pas ça vous guette non plus, mais malgré l'hiver, vous êtes de sortie. D'ailleurs, la police locale vous a pas apprécié beaucoup que vous soyez sur place. Dans tous les cas, vous faites. C'est leur boulot, on n'aurait pas besoin d'être là. Et je te dis, on y va en quatrième vitesse, toute sirène hurlante, pour y être le plus vite possible. Ouais, mais ils sont en train de tirer dans tous les sens. Mais d'un côté, entendre les flics, ça va faire qu'ils vont se canarder sur une seule et même cible, alors qu'ils, même s'ils s'en veulent. Donc c'est vrai que ça fera déjà moins de blessés. Ou pas. Attache ta ceinture, Max. Et si t'as des doigts, croise-en à Max. Ok. Clyde, t'es dans quelle voiture? Ouais, t'es dans quelle voiture? C'est intéressant de le savoir, par contre. J'en sais rien. Je vais avec Denis. Hein? Ok. Donc, Denis et Lina, apparemment, vous avez... Denis, ça a pas l'air content. Je dis ça. C'est clair. Il est vachement heureux, le mec. Non, ça va. C'est juste que t'es avec Arlia, hein, à l'arrière. Ah. Oui, je mange. Ok. Vous arrivez sur place, les deux voitures, avec les sirènes et tout. Sur place, c'est simple. Bah, y a la police locale qui a l'air d'avoir fini le boulot, dans le sens où y a plus de fusillades. Y a déjà des ambulances qui sont là. Ils sont en train de ramasser les corps et en train de faire leur boulot de policier. C'est-à-dire le boulot qu'on vous a demandé de faire là. Il y en a plusieurs et ils ont arrêté déjà plusieurs personnes. Et des blessés sont en train d'être évacués. Et eh ben bravo, faut les féliciter ces gens. Bravo, oui. Faut les féliciter. Et donc il vous regarde et il vous fait ah les cops. Ah oh, putain. Plus d'enthousiasme la prochaine fois. Hein. Ouais, et dire merci, sympa pour la cavalerie. Hein. On vous a demandé de venir toute. Ouais, bah oui, on a foncé, mais bon, les Écossais du Calais Wallace, quand ils arrivent avec les corps de but, généralement on les applaudit, on leur dit pas ah les Écossais. Perception. Alors quand t'es anglais, tu dis ah les Écossais quand même. Hein, quand t'es anglais, mais, Perception instant flic. Ok. Oula. On fire. M'a piqué la curiosité, je me suis senti du sad pour relever toutes les erreurs. Your spider sense is stinging. Ouais, c'est ça. Mon sens d'araignée commence à vibrer dans mes oreilles. Il y a un danger. T'as une petite antenne ? Ça, tu veux dire que tu Il me manque deux lancers. Tu pourrais à terme devenir compétent en rapport et en administratif ? Donc non, clairement, c'est la première fois qu'on vous appelle pour une urgence et que vous arrivez à la bourre alors que vous étiez quasi à côté. Et quand je dis à la bourre, clairement, ça fait au moins 30 minutes que ça doit être terminé. Hein. Vous avez mis 5 minutes à arriver. Hein. Et encore, même ouais, pas. Vu comment on conduit, je pense qu'on a mis 3 minutes 30. Donc, J'exagère, peut-être 20 minutes à venir, mais ça fait 30 minutes que c'est terminé. C'est quoi le jet que t'as demandé ? Perception instant flic. Je demande au flic qui râle depuis combien de temps il a passé l'appel. Si on a mis tant de temps à on a tous faire le jet. Non, on fait pas tous le jet. Bah si, j'ai demandé tout le monde fait. Hein. J'attends que tout le monde ait fini hein, pour continuer. Hein. Je croyais que c'était... Ok. Non, mais... Ok. Après, tu peux pas le faire et je considère qu'il y a zéro. Tu vois, c'est... j'ai pas vu ça comme ça, moi, c'est pour ça. D'où le jet de perception. Mais rappelez-vous, hein, vous prenez pas de café hein, dans 6 jours. Hein. Ok. J'aime beaucoup le. Donc vous êtes en train de poser des questions pour comment ça, combien de temps, machin, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Juan Lin. Il y a un truc que vous notez quand même qui est particulier, un truc qui vient du CL, qui pèse 10 bons kilogrammes, qui a une tête en titane et très mauvais caractère et une grosse fumée blanche derrière. Et qui a l'air d'aller directement sur vous. Ah oui. Ah bah c'est chiant ça. Non, c'est pas toi qui. Alors Juan et Lynn, vous faites quoi? J'attrape les collègues qui sont autour et je gueule couchez-vous. Sachant qu'il y a pas mal. En fait, autour, il y a des civils, il y a la presse, il y a les collègues flics
et il y a tes potes. Enfin, tes collègues. Est-ce que je peux tirer pour l'abattre? Ouais, j'allais dire, écoute, les chances d'avoir, d'abattre un missile avec une balle de revolver doivent être équivalentes. On fera le test en dernier. Mais ok, t'auras une chance de faire le tir, mais je vais demander à Juan ce qu'il fait. Bah moi, je vais agripper tout ce qu'il y a autour de moi, c'est-à-dire 3 personnes max, en gueulant tous à terre, missiles, et le plus fort possible, quoi. C'est un ordre. C'est un peu comme grenade, quoi. Vas-y, voire même gueuler grenade, ça sera Je pense que je le fais aussi, un peu comme ça. Ouais, hein. Enfin, au moins gueuler. Carrure intimidation ou sans fond intimidation, ça me va aussi. C'est la même chose. Mais intimidation, c'est pas mal. Mais c'est un missile de 10 kilos. C'est un pétard, en fait. Non, c'est vraiment un missile qui vous fonce dessus, à guidage. C'est que 10 kilos, c'est 4. J'ai quand même fait 2 en intimidation. Pour le moment, je demande juste de réagir. On réfléchira du pourquoi et du comment du missile. Déjà, juste, vous faites ce jet. Après, je... Bon, je pense que Lynn, elle va plus gueuler plus fort que moi là-dessus, mais bon... Ouais, mais j'attends qu'elle finisse. Vous voulez le faire, donc j'attends le jet. Après, il y aura le jet de tir, mais je. Ah, pardon. Oups, j'arrive. T'en prends intimidation. Il y a la police locale d'ailleurs qui commence à pointer le doigt, faire le truc, genre, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un oiseau, c'est pas un avion. Non, c'est un missile. La foule, les journalistes, 2 hélicoptères et des habitations. Hein, je savais même que c'est un super missile. Ok, les gens commencent à regarder en l'air, ils n'ont pas vraiment le temps de paniquer. Le missile, clairement, pour le moment, vu la vitesse à laquelle il arrive, tu n'as clairement pas le temps de lui. Tu sors ton arme, tu n'as pas eu le temps de tirer. Que le missile fait quand même quelque chose de bizarre, c'est-à-dire qu'il allait directement, je dis bien, sur vous, hein, et il part d'un coup à 90 degrés vers le ciel en tourbillonnant comme s'il avait il perdait complètement le contrôle. Tu as c'est la dame blanche qui intervient. Réflexe, difficulté 5. Ok. Réflexe, arme à feu, difficulté 5. C'est la dame blanche qui intervient, c'est un miracle. J'ai presque envie de tenter aussi. Mais... Non, tu ne veux pas. Parce que tu l'as pas vu. Ça touche. Ah, j'ai mis un point d'adré hein, quand même pour être sûr, mais. Ok. Donc en l'air, le projectile est venu fou. À un moment, il repointe vers le sol, sachant que, en fait, on a l'impression qu'il reçoit des ordres contradictoires. Et à ce moment-là, au moment où il se stabilise, tu arrives à aligner ton tir et tu tires. Le projectile explose en l'air, libérant des milliers d'éclats qui blessent légèrement un peu tout le monde sur place, mais rien de bien méchant. Éviter le pire, quoi. It's raining. It's raining missiles. Ouais. Et tu vas me dire, mais tu vas te foutre un missile dans ton tableau de chasse, quoi. Eh ben oui. Ça, c'est pas banal. Est-ce que j'ai le droit de danser avec au ralenti avec les éclats qui tombent derrière moi, tu vois, en faisant une belle cascade de feu? Il y a les journalistes. Alors moi, je serais d'avis qu'on rebaptise Lynn en tant que Hit Girl, parce que là, franchement, ça le fait, quoi. Okay. Non, elle est trop bien. À partir de là, je vous laisse reprendre la main. Eh, c'était un missile à tête chercheuse, hein. J'ai fait un headshot. Hein. Sachant que le central, les flics sur place ont clairement dit ce qui s'est passé au central, hein, si vous ne l'avez pas dit vous-même, et le central envoie Bennett ainsi qu'un expert du Bomb Squad. Alors, je te parie 1$ ainsi que l'agent qui garde que c'est un Black Thunder. Merci. Ah, mais je suis en mode... Non, mais si maintenant il va nous falloir des missiles anti-missiles quand on va se déplacer, ça commence à devenir un peu fou. Surtout qu'on n'a même pas encore eu droit à la frappe aérienne. Un VAB. Et les méchants, ils l'ont eu, hein, visiblement, la frappe aérienne un peu. Hein. Ouais, c'est ça. On en est une. C'en est une, hein. Techniquement, c'en est une. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quelqu'un qui semble être intervenu pour bloquer son tir. C'est la dame blanche qui est intervenue. Moi, je pense que c'est la puce de brouillage qui est dans ta jambe, Max. Peut-être, mais ça serait bien de se renseigner, en fait. Dans tous les cas, vont arriver sur place, donc comme je disais, Bennett,
sur la scène de crime, ainsi qu'un expert du Bomb Squad, ainsi que, on vous dit clairement, l'agent qui est garde, c'est un ancien militaire qui ne va plus sur le terrain, mais qui sert, comment ça s'appelle, qui sert d'expert dans les armes militaires, en fait, au LAPD. Qui était dans le Bomb Squad, mais il est devenu Kudjat, donc c'est pour ça qu'il a ce poste-là maintenant. Le LAPD a fait de lui l'homme qu'il est. Dans tous les cas, vous êtes sur place, vous faites quoi? Ces gens-là vont arriver, ils vont commencer aussi leurs investigations. On est bien d'accord, parler avec le petit camarade, que c'est franchement bizarre. C'est que, un, déjà, on arrive super en retard sur un truc alors qu'on aurait dû être là beaucoup plus tôt, et deux, on nous balance un missile sur la gueule. Ouais, c'est moi ou ça, c'est foufoudave comme truc, bon, ce truc. Pendant que Juan me vise, moi je fais bloquer la zone, interroger tous les témoins par les uniformes et discussion avec les premiers arrivés pour savoir quand est-ce qu'ils ont passé la belle, avoir les infos en fait. Ah, clairement, alors pour ce qui est de l'appel, ils ont reçu l'appel et ils sont intervenus en fait. Il n'y a pas eu de demande de renfort en fait. Ils sont arrivés en nombre du commissariat de Burbank et ils ont fait leur boulot quoi. Ok, moi je demande des informations. J'appelle le central pour avoir des informations sur le dispatch du coup. Parce que parmi les anges, il y a quelqu'un qui a demandé du renfort supplémentaire qui n'était pas nécessaire. Ah, ils te disent qu'ils vont voir, parce que ça leur dit. Ils vont non, voir. Je pense que nous, on a eu leur en retard, en fait. Ils n'ont pas demandé de renfort, je pense que c'est... Moi, j'aurais tendance à essayer de checker nos bagnoles et voir si on n'a pas un émetteur radio, un brouilleur, quelque chose. Et surtout, je me renseigne sur Internet si le missile en question qui a été volé, là, et que je soupçonne que c'est lui qui nous a attrapés. Enfin, un des missiles. Est-ce qu'il est sa tête chercheuse, son système de visée, c'est laser, c'est radio, c'est infrarouge. Et du coup. Les missiles en question qui ont été volés, c'est des missiles. Je vais pas m'avancer sur qu'est-ce que c'est comme missile. Mais ça correspond. Mais l'expert, dans quelques heures, l'expert va dire que c'est pas cela en fait. Et l'expert, le mec de la bombe squad et de ce qu'on va trouver, ça ne sera pas celui-là. Donc, comme j'ai pas les infos de quel est ce missile et s'il ne sert pas dans un autre scénario, je ne vais pas m'avancer en fait sur ce missile-là. Non, ça sera pas ça. Parce qu'en gros, moi, je cherche quelque chose qui aurait pu brouiller la tête chercheuse du missile, quoi. Ouais. Et du coup, un leurre ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc, voilà, moi c'est un peu l'optique que je cherche. Scène de crime. Voilà. Ok, j'y reviendrai après. Donc tu cherches. Ok. Les autres, vous faites quoi? Moi tous. Max, tu m'as dit. Nous, je vais déjà appeler des ambulances pour les blessés, parce qu'il doit en avoir des un peu plus sérieux que les autres pour les évacuer. Alors, clairement, les ambulances qui étaient sur place ont suffi pour les blessés, les vrais blessés qu'il y avait. Pour les autres, en fait, c'est quelques brûlures, mais pas très graves. Et les quelques ambulanciers qui sont là, en fait, vont voir les gens, les rassurent. S'il faut, j'ai envie de dire, leur mettre du tulle gras. Enfin, voilà, il n'y a rien. Le fait que le missile ait explosé en l'air, ça fait qu'il n'y a que des blessés très légers. Et réellement, si tu rates le jet, il explose et c'est pas la même. C'est quand il explose au sol. Et dans ce cas-là, je vais voir les journaleux pour leur demander s'ils peuvent mettre à disposition toutes les vidéos. Les journaleux, c'est simple. Ils sont pas coopératifs dans le sens où il y a plusieurs camionnettes qui sont en train de débarquer et ceux qui sont sur place, ils sont en train de se tirer la bourre parce que explosion d'un missile en centre-ville. Moi, je monte mon QR code pour ma cagnotte Litchi pour leur avoir sauvé la vie. Voilà, c'est nouveau. Est-ce qu'on peut essayer de bullshitter les journalistes pour leur dire qu'ils auront l'exclusivité de toutes les informations? Tu peux pas bullshitter les mecs qui viennent d'obtenir un direct. Bah, par contre, moi je peux leur parler. Après, si tu veux faire une déclaration en direct... Fort du fait d'armes que je viens de faire, pour frimer un peu... Putain c'est moche. Très moche, monsieur. Donc, tu t'arranges la gloire de les d'avoir sauvé, c'est ça? Bah, carrément. Après, j'en verse un petit peu sur le COPS, le LAPD... Ok. Ok. Juste
Torgen, tu as combien en charme? Excuse-moi, plus j'ai c'est Torgen, c'est Klein. Ouais. En charme, j'ai 4. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 4? Je crois pas. Hein. Ouais. T'as combien? T'as 5? 5. Ok. Ah ouais, je m'en rendais pas compte. Eh, hey, il a une belle jambe. Ça brille. Désolé, Chouba. Mais à ta place, moi, quand je... même, hein. T'es célibataire et t'as 5 en charme. Mais baisse toute la vie, le gars. C'est pas bizarre. Pour la prochaine phase. Pour l'instant, okay. Ouais, c'est bon. Clyde, tu fais quoi? Donc à la base, on était intervenu pour une fusillade entre deux gangs. Une fusillade qui a priori était déjà terminée. Ok. Bon, j'essaie de quand même de savoir pourquoi il y a eu une fusillade et puis j'essaie de repérer les gangs quoi. Parce que ok. C'est... Bah les gangs, c'est simple. Hein. Ils ont été mis dans un fourgon de police là pour ceux qui sont vivants et qui ont été arrêtés. Et alors attends, c'était entre Elmont Wood NG, des Hispaniques qui contrôlent le quartier depuis des générations, et Acropinoy, dit AKP, de Glendale, qui cherchent à agrandir leur zone de contrôle. Voilà. Acropinoy, c'est ça que tu dis ? Alors, attends. Ça va être simple. Hop. Copier. Pardon. Ok. Alors, une seconde. Je peux faire coller directement là? Non. Je vais le mettre stock. Discord, il est où? Discord. Cops campagne. Hop. Voilà. Non, il veut pas coller. Non, il veut pas. Putain. Je sens que le truc veut me casser les burnes. Je vais te faire un copier-coller en fait du. Tac. Voilà! Là, dans théorie, plot, enquête, etc., tu as le petit encadré de qui fout la gueule sur qui. Et si tu as une connaissance dans les langues latinos, tu peux pas avoir quelques informations supplémentaires? Alors, réellement, toutes les infos, elles sont là. Hein. Ouais, okay. Donc, c'est juste pour savoir, mais bon, voilà. Ok. Ok. Denis. Ouais. Aria tire partout. Ça sent l'explosif partout. C'est un peu normal. Bon, ben, je vais la retenir, mais on va essayer de recommencer. Moi, perso, je vais commencer. Il y a suffisamment d'agents pour gérer la foule de curieux. Ouais, clairement. Plus le truc, vu qu'il y a en plus, il y a des hélicos qui sont sur place. Il y a, comment ça s'appelle, les hélicos, je parle de journalistes. Les flics, en fait, sur place ont appelé des renforts parce que, clairement, avec cette explosion. Ils sont pas cons, les mecs. Il va avoir encore plus de journalistes, plus de curieux, plus de gens à gérer. Et des cops, en plus, qui peuvent pas s'empêcher de se la raconter devant la télé. Ah, moi... je commence à... Dans tous les cas, ouais, vas-y. Il y a le mec de Bomb Squad qui est là, l'agent qui est garde, et Bennett qui y sont arrivés. Alors moi, je vais donner un coup de main à Bennett à regrouper toutes les pièces et avec Aria, justement, vu que ça sent l'explosif, je vais trouver vraiment toutes les pièces, en fait. Ok. Voilà. Alors, clairement, vu que tu es avec eux, tu remarques une chose, c'est que l'expert du Bomb Squad et l'agent Kriegarg, ils ont pas l'air de s'apprécier. Mais alors, pas du tout. Mais aimez-vous, bordel de putain de merde. Voilà. C'est-à-dire qu'ils bossent hein, tous les deux, ils ont à peu près le même boulot, mais tu vois qu'ils s'apprécient pas, ils ont tendance à s'envoyer des pics, alors c'est pas méchant, mais ils pourraient aller plus vite s'ils faisaient pas ça, quoi. Voilà. C'est lequel qui a l'air le plus léger des deux? Qui a l'air quoi? Le plus léger des deux. Vu que le mec du Bomb Squad doit être en uniforme et que l'autre est un ancien militaire, c'est dur à dire. Clairement. C'était pour jouer de diplomatie. Pardon. Non, mais sinon, je vais essayer de les calmer et puis de les recadrer pour qu'on avance et qu'ils arrêtent de se tirer dessus. Quoi. Ok, tu me fais un jet éducation-bombe. Éducation et connaissance-bombe, monsieur Denis. Ok. Les deux te disent que tu devrais plutôt l'écouter, lui ou lui, enfin ils se désignent eux-mêmes quoi à chaque fois, parce que t'as encore beaucoup à apprendre.
Tu viens, Ryan, on va chercher des. On va chercher des explosifs. Ouf, ouf, ouf. On va voilà. chercher des croquettes. Mais réellement, les deux ont l'air très calés, hein, par contre, hein, réellement. Oh, donc, oui, non, non. Réellement, si tu restes avec eux, je considère que t'apprends des choses. Mais c'est pas la même D'accord. école. Je restais voilà. avec eux, mais voilà. C'est... Mais je vais essayer quand même de leur dire que ce serait bien que vous arriviez okay. de, de vous envoyer des pics constamment et de bosser. Quand même, c'est. Non. Même s'il faut il y que j'apprenne. Je vais répondre que dans le jargon, on s'envoie pas des pics, mais on s'envoie des bombes. Ah. Oh. C'est. C'est explosif comme blague. Non, mais c'est pas vrai. Bon, est-ce que j'ai fait le tour de tout le monde? Je sais plus si j'ai loupé quelqu'un. Je sais pas si tu avais fait quelque chose à moi. Mais... Vas-y, dis-moi. Bah, en fait. Non, moi c'était plus par rapport au journaleux, mais il y a déjà des gens qui ont fait ça. C'est juste cette histoire de. De délai qui me semble assez bizarre. Donc, bah, il y a Max qui est dessus. Ouais, c'est ça, je vais seconder Max en fait, parce que ça okay. me tarabusque. Ok. Je sais que Max peut pas se passer de moi en fait. Donc, côté Max, qui est dit, clairement, a priori, il y a des ordres qui viennent d'en haut, il fallait vous mettre sur toutes les interventions, même celles qui étaient passées, on ne savait pas où ça en était. Enfin, ils te sortent des... en fait, tu sens qu'ils sont embarrassés par le truc, ils ne savent pas quoi trop dire, mais ils ont l'air de dire que c'est surtout, en fait, on leur a demandé de vous coller parce que vous êtes à Burbank, que tous les cops aillent sur toutes les interventions, même si c'est même s'ils arrivent en retard, c'est pas grave, il faut qu'ils soient là physiquement. Et ça pourrait être carrément plausible. Hein. Vu que c'est ce qu'on vous a dit ce matin. Ok. Ok. Il n'y a pas de moyen de surveillance des ondes radio dans la ville. Jamais. Qui pourrait surveiller les ondes radio? On a un contact à la CIA, enfin, à la California Intelligence Agency. Oui. Techniquement oui. Mais. De toute façon, là, ok, je vérifie. Clairement, vous restez 4 bonnes putains d'heures sur les lieux du crime à aider, en fait. Soit à gérer, etc. Mais en gros, votre supérieur vous dit de vous rester là-bas pour le moment. Vous restez 4 heures et les experts sont tombés d'accord sur ce qui vous est tombé dessus. Ah. Et c'est quoi, du coup? Je vais le marquer, en fait. C'est un mini C. 7-1-0. Alors, je ne sais pas si ça existe vraiment, hein, mais je vais vous lire ce qui est marqué. À distance moyenne, sa fabrication est chinoise. Mais les deux experts sont perplexes pour plusieurs raisons. L'engin, dans sa version actuelle, doit avoir une cible déclarée avant son lancement. En gros, il fallait que quelque chose l'attire. Trégar est formel. L'équipe de Bennett n'a rien, ainsi que Lynn, n'a rien trouvé, que ce soit sur la voiture ou au sol, qui permettrait d'attirer la chose. Et pourtant, d'après les caméras des hélicoptères, lorsque son guidage n'était pas brouillé, parce que clairement, comme vous l'avez dit, hein, il a été brouillé à un moment, il pistait quelque chose. Et ces missiles doivent avoir un truc de à peu près, on vous dit normalement, il vous dit ça doit avoir à peu près le truc qui spot, ça a la taille à peu près d'une carte de crédit. Ouais, donc ça peut être sur n'importe qui dans la zone où il y avait plein de monde, quoi. Ben, alors c'était vraiment sur nous les cops. Ouais, vous aviez eu l'impression que c'était sur vous. Après, vous étiez les uns à côté des autres. Hein. Et on était avec des flics. C'est plutôt éloigné, ouais, enfin, il y en avait un qui est venu vous parler à ce moment-là. Alors, moi, je t'as pense... fait une maintenance de ta protège cybernétique récemment, Max? Ouais, alors, bon, bah, on va demander à l'officier de police de vérifier s'il n'y a pas une... Techniquement, c'est un missile non. chinois, donc il a été probablement acheté par des Japonais, parce qu'on sait que les Japonais et les Chinois sont en train de se la faire en ce moment. Et donc, du coup, c'est toi, Max, qui étais visé. J'ai pas tout suivi, en fait. C'est cohérent. C'est un peu sauté aux conclusions, quand même, sur ce coup-là. Bon, vous fouillez vos poches ou pas? Eh ben... Oui, bah oui, bah, oui. Vos poches, oui. Donc, okay. En effet, vous trouvez un truc d'une carte de crédit. Max, dans la poche de ton uniforme. Je le savais que c'était toi. Ben oui, je l'avais dit. Ben, t'as jamais vu ce truc, tu sais pas d'où il sort. Le sniper, il t'a raté, ils en envoient d'autres. Hein. Ben là, c'est chaud quand même, parce que les mecs, ils sont allés à la roquette, quoi.
Moi, je voudrais pas dire, mais je pense que ta Bennett procédure de divorce, elle prend une tournure bizarre. Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'ils sont tous assez sûrs, les trois, que c'est à peu près ça. Et Bennett vous dit aussi, après avoir analysé la zone, qu'il est formellement... Il n'y a aucune raison dans le coin que le missile, en fait, se dérègle. Il n'y a pas de passage d'onde, aucun matériau qui puisse brouiller la réception. Enfin, il y a... Et clairement, les trois aussi sont assez contre une thèse qui serait d'une panne générale. Les images montrent clairement une tentative manuelle de reprise de commande. C'est peut-être ta femme qui a eu des remords. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ta procédure de divorce enfin, qui prend un tour chelou et ta femme chose qui a eu des remords. Vous a sauvé en partie la mise, hein, parce que sinon, il n'y avait que de la bouillie de cops. D'accord, on a... il reste suffisamment des circuits du machin pour... Alors, il faut savoir, ils vous disent que le C... Non, il ne reste pas assez pour savoir quoi que ce soit. Que le C710, on peut reprendre la main manuellement, par l'utilisateur peut reprendre la main manuellement, mais il doit se trouver à moins de 500 mètres du poste de commande. Et pour le piloter, t'as besoin de quoi? D'une valise énorme avec un ordinateur? D'un véhicule avec un ordinateur, normalement. Juste un ordi portable. Il vous dit qu'il faut juste être à 500 mètres du missile. Et donc, dans un rayon de 500 mètres, on doit avoir la personne qui pilotait, s'il a réussi à reprendre. Là, regardez tout ce qu'il y a le comme caméra question, de sécurité dans un rayon juste à titre d'info, le joujou en question coûte 25 000 $ sur le marché noir. Moi, j'ai une question. On a une idée de la taille de la base de tir. Est-ce que ça ressemble à... Enfin, c'est un truc qu'on met dans une... qu'on peut porter, que... Ouais, c'est un truc portable. C'est un truc... C'est une base, une petite base de lancement que tu peux monter et démonter pour... C'est un truc d'infanterie. Et la distance? La distance, ça peut être beaucoup plus si s'il n'y a pas besoin de le reprendre en manuel, quoi. Mais il faut qu'il soit dans les 500 mètres du poste de commande. On peut demander un mandat pour récupérer une copie de tous les enregistrements vidéo qui ont été faits. Ça a déjà été fait, je considère que ça a déjà été fait. Il y a déjà quelqu'un qui l'a demandé, ça a déjà été fait. Dans tous les cas, Bennett récupère la carte et va l'analysera, voir s'il y a des empreintes de l'ADN ou quelque chose. Bah ouais, je veux bien. Du coup, on se pose la question de... Alors, est-ce que le COPS est tellement peu sécurisé que n'importe qui a accès à nos casiers maintenant? Ou est-ce que c'est genre la blanchisserie ou il y a j'allais dire, tu l'as donné à quel pressing ton uniforme en fait parce que... en fait, ils sont tous au même. Hein. Du COPS, hein. Fin... Ouais, c'est-à-dire la blanchisserie. On peut demander à avoir accès à nos caméras pour regarder dans les premières minutes où on est arrivé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a frôlé Max en fait dans les trucs. Et qui aurait pu le glisser dans la poche en fait. Vous demandez à votre supérieur l'autorisation, il vous l'accorde pendant que vous êtes en voiture, sachant que vous pouvez partir de la zone est libérée. Ouais. Vous êtes libéré pour repartir. Donc après, on vous met sur l'enquête entre guillemets. C'est pas encore officiel parce qu'on est en train de savoir qu'est-ce qui se passe, mais pour le moment, vous êtes sur l'enquête. En fait, il y a comme il y a des flics impliqués, il y a le SAT qui met son nez dedans. Bah oui. Tu veux pas quand même appeler ton épouse pour savoir si elle est surprise de t'entendre décrocher? Moi, je remarque. Non, moi, pour l'instant, je suis bloqué sur la phrase. Vu qu'il y a des flics impliqués, il y a le SAT qui enquête dessus. Du coup, ça prouve que le SAT n'est pas des vrais flics. Merci. Toujours su, hein, en se dit en passant, mais. C'est très bizarre cette conclusion. Ouais, mais moi je trouve qu'il y a un fond de vérité quand même. Moi je vais quand même faire le tour pour essayer de repérer toutes les caméras de sécurité possibles et imaginables dans les lieux pour essayer de récupérer tous les enregistrements, quoi. Voir si on voit quelqu'un quelque part ou avec un ordi portable. Je suis assez d'accord. Ouais, c'est pas faux. Maintenant, c'est pas suffisant. Il faut qu'on voit comment. Ouais, c'est une bonne idée de vérifier si quelqu'un est entré en contact avec moi. Est-ce qu'on a une idée de vu la trajectoire du missile quand on l'a vu la première fois, de sa base de tir en fait? Pas vraiment. Quand tu l'as vu, il était déjà en train de retomber vers toi en fait. Donc tu as à peu près, je dirais. Une vague direction. Un cône où il pourrait. Tu penses qu'il pourrait arriver. Si t'es sûr qu'il était en automatique, il y a des chances qu'il arrivait par là. T'as, c'est le genre de missile qui part droit en l'air puis qui redescend en fait. Normalement. Ouais. Mais la question, c'est est-ce qu'un radar militaire pourrait l'avoir détecté? Parce que du coup, on pourrait avoir... Au vu de la taille, c'est chaud, en fait. Peut-être, mais c'est pas dit que les militaires collaborent. Ouais, si c'est des militaires français, ils le feront, hein, collaborer. Putain, celle-là! Oh là là!
Putain. Ouch. Je vous laisse réfléchir à la question, je vais me chercher. Ah bah. La collaboration, il vaut mieux taper chez le gradé, alors, du coup. Mais clairement, t'as à peu près le truc, mais le problème, c'est que c'est dans les 500 mètres de toute façon. Après, vous pouvez rester sur place et faire des fouilles, des machins, à voir avec la police locale en fait. Eh ben. Moi, je demande à Benet s'il a retrouvé ma balle. C'est non. Écoute, c'est toi qui vas voir si tu l'as retrouvé plutôt, parce que tu me fais un jet de perception scène de crime, difficulté 5 pour la retrouver. Dans tous les cas, ça sera saisi, mais... Oui, oui, oui. Vas-y, c'est chaud. Hein. Ouais, j'ai pas top. Alors, 4 scènes de crime, tu m'as dit. Ah, mais j'ai la mallette. Mais oui. Oh, oui, ça me va. Ah si, j'ai un dé bleu, ça fait 4. Je peux dépenser un point d'ancienneté, ça passe à 5. Ah, t'as retrouvé la balle. Voilà. Il finit dans un sachet, dans un truc de preuve. Ah, je me prends un selfie avec ma balle dans le sachet. Donc t'as réussi à te faire un obus de mortier et une roquette. Joli. Ok, qu'est-ce que vous faites? Qui va au central? Qui fait quoi? Vous avez vos investigations, à vous de me dire qui fait quoi. Il y a pas. Est-ce que quelqu'un veut se désigner en tant que premier détective pour coordonner tout ça, s'il vous plaît? Je trouve que comme c'est Lynn qui a abattu le missile. Ouais. 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 J'envoie mon CV à l'armée de terre comme pour être DCA. Voilà. Bien sûr, vous voulez que ce soit Lynn qui lit cette enquête? Ça me fait très peur là tout de suite. Bon, si vous voulez, je la prends, hein, mais ça fait un petit moment que j'en ai pas eu, donc je peux. Bon, vous savez que quand c'est moi qui ai les enquêtes, c'est toujours de la merde, hein, les enquêtes, c'est toujours des trucs chelous, on a à deux doigts de démissionner, de se faire violer par la moitié des mafieux et des politiciens, voilà. Bon, ça commence par quoi? Un flash forward où vous mourrez, et un missile qui vous arrive dans la gueule après, je vois pas comment ça pourrait être pire. On a traumatisé un pauvre flic du SAT qui était convaincu qu'un jour il serait flic sur le terrain, tu vois. C'est pas encore arrivé. Ouais, mais lui, il est un peu dans l'espace, hein, tu sais, comme mec du SAD. Ouais, SAD but true, quoi. Bah, il s'appelle Cassidy, alors, du coup. Donc, qu'est-ce que Lynn, tu restes sur place pour voir si tu trouves d'autres pistes, c'est ça? Pas spécialement, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, Bennett, il va être meilleur que nous, a priori. Par contre, à un petit moment où je vais attraper les testicules de Bennett et je vais lui dire de se bouger le cul. Hein? Voilà. Bah, moi, je te dis ce que je faisais, donc ça va prendre du temps. Hein. J'ai un sage, j'ai droit. Attends, tu fais quoi, Denis? Bah moi je t'avais dit que je cherchais les bouts avec Aria en fait. Tous les débris en fait. Ah mais c'est bon, vous avez passé 4 heures. Ah c'était fait. Ah oui, 4 heures, oh, putain. Ouais, donc oui, c'est bon, je les ai eus. C'est-à-dire que là, il est 16h. Techniquement, vous êtes censé finir votre journée à 17h. Maintenant, bon. Ouais. Bah déjà tu peux m'aider parce que moi je devrais avoir pas mal de vidéos de caméras surveillance à passer au crible pour essayer de déterminer si on ne trouve pas une info quelque part. Donc Je reviens après sur les caméras. Alors, y a un truc que je pige pas. Il y a une fusillade entre deux gangs qui se disputent pour un putain de territoire de merde. Ouais, on est d'accord, c'est complètement ça. Il y a la police locale qui est prévenue avant nous, qui intervient et qui règle le problème. Ouais. On est prévenu après, on arrive sur place. C'est déjà tout fini. Et donc là, il y a un missile qui nous tombe sur le rable. Et visiblement, ce missile, il était vraiment destiné pour Max. Et donc, bon, peut-être aussi pour nous, parce que voilà, on sait pas trop si c'était Max ou juste la proximité de Max qui était visé. Mais bon. Du coup, ça fait. Moi, j'interrogerais bien les survivants du gang pour essayer de savoir si on leur a demandé d'aller se battre là. En mode, est-ce que c'est du bullshit leur fusillade ou pas? Vous êtes la thune si vous faites semblant de vous tirer dessus.
Ouais. Il y a eu quand même des morts avant que vous arriviez, avant que les flics arrivent. Hein. Donc ils sont pas fait semblant de se tirer. En fait, je pense que non, justement, ils ont une info comme quoi le gang, tel gang, leur gang ennemi serait là, quoi. Qui leur a dit ça? C'est en fait c'est ça. C'est remonter tu descends à l'anti-gang. Enfin, tu vas au commissariat en fait de Burbank, toi, pour les interroger. Ils sont là-bas. Ouais, là où Valine, j'y vais. Il y a donc Lynn et Denise qui sont au commissariat de Burbank. On a Clyde, je sais pas si tu vas avec eux ou si tu suis les autres qui vont sûrement au central voir les vidéos. Je vais aller voir les vidéos, parce que plus on est, plus ça va aller vite. Ok. Et Max, toi t'es au central aussi? Ouais. Tu fais quoi? Vidéo aussi? Ouais, je vais aider sur les vidéos. Ok. Bah, de toute façon, tu veux pas aider Bennett dans son labo, hein. C'est le problème. Et après, pour ceux qui sont au central, je vous demanderai d'aller voir les anges quand même. Et d'aller un peu les pressurer pour voir un peu s'ils ont pas. S'il y a pas quelque chose de louche quoi avec eux. S'ils ont pas. De qui vient l'ordre d'en haut, etc. etc. Voir. Par contre, l'ordre est cohérent avec l'ordre qu'on a reçu en fait le matin. Par contre, le truc dans la poche. Et regardez les vidéos aussi de vos cams en fait pour. C'est ça, c'est l'intérêt des vidéos des cams, c'est pour voir. Première chose, vous passez vos vidéos à vous regarder si quelqu'un te met quelque chose dans les poches, Max. De ta sortie de bagnole jusqu'à la dernière image, en fait, il y a personne qui s'approche de toi et personne qui met sa main près de ta poche en fait. Hein. Bon, bah écoute, du coup, ça nous confirme qu'il y a quelque chose de bizarre en amont. C'est avant ça qu'elle a dû arriver. Sachant que tu as récupéré ton uniforme ce matin et il avait été lavé. On a fait des interventions entre le matin et ça? Non. Max n'est pas sorti de la voiture. Enfin, en dehors d'aller manger. Bah, du coup, ça vaut le coup quand même de regarder les caméras pendant le repas et tout, histoire d'être sûr, mais a priori. Pour ceux qui regardent les vidéos, vous remarquez quelque chose dans les hélicoptères présents. Il y en a un qui n'appartient pas à la télévision. Ah. Il y a une immatriculation dessus. Ouais. Qui pointe vers une société de location. Ah, le siège se trouve à Pasadena. Laisse-moi deviner, son patron il s'appelle Murdoch, non? À Pasadena. Ah, non. Pendant ce temps, toutes les choses cool sont en bas. Les gangers. Ouais. Les gangers, tu fais quelques-uns. Je fais pas de dés, je veux dire, c'est pas. Ouais. Ça va. Clairement, c'est l'autre qui a nous a provoqué, non, c'est machin. De toute façon, on sait qu'ils sont faibles. Enfin, il y a sûrement quelqu'un qui leur a filé des infos pour aller que c'était le bon moment d'aller attaquer l'autre. Et les autres, c'était qu'ils ont su qu'ils allaient être attaqués. Enfin, quelqu'un qui a renseigné les deux, qui leur a donné des renseignements. Donc, pur piège à con. J'arrive pas à savoir des détails sur cette personne, en fait. Il te donne une description. Les deux te donnent des descriptions différentes. À chaque fois, un homme, la quarantaine, la soixantaine, enfin, à chaque fois, il te donne une description différente de la personne. Et ce qui est bien, c'est que même au sein du même gang, l'information vient d'une personne tu vas voir au moins, au total, tu vas compter 5 personnes au moins qui a dû donner une info. Ça me fait penser à un film dans lequel tu as une IA qui essaye de liquider quelqu'un en rameutant par SMS interposé plein de membres de gangs différents pour que statistiquement il y ait une fusillade qui démarre en plein milieu d'un bar. Quoi. C'est rigolo. Ça me dit rien du tout cette idée de film. Okay. Moi non plus, mais c'est pas mal. Voilà, donc, ouais. Donc, les autres, vous avez une immatriculation. Oui. Et le siège à Pasadena. Moi, je fais des recherches rapides sur l'établissement en question. C'est un établissement de location. Je suis en train de regarder. Ouais, rien de particulier. Enfin, pas plus que celui de Murdoch, quoi. Ouais, je propose qu'on se déplace là-bas. du coup, on a un plat de vol enregistré sur cet hélico? Non. Personne s'inquiète d'un hélico qui survole la ville sans plan de vol? Bah, en tout cas, je suis en train de regarder. Attends.
Si, il y a un plan de vol, comme quoi il devait passer à cet endroit à ce moment-là. Il y a moyen quand même d'aller interroger cette société-là ? Je crois que non, il ne devrait pas avoir de plan de vol. Tu peux toujours, t'as un téléphone, il y a un numéro de téléphone déjà, tu peux appeler ou alors aller directement. Ouais, plutôt se déplacer, ouais. Il y en a qui vient avec moi ou j'y vais tout seul ? Jamais tout seul. Viens avec moi, là. C'est la première règle du COPS. Ouais, non, il n'y a pas de plan de vol, ouais. Clairement, il n'y a pas de plan de vol. Ok, bah du coup, je demande un truc de fouille. Enfin, je demande un... Un mandat. Bah ouais. On te file un mandat de perquisition. Alors, pas d'arrestation pour le moment, de perquisition, parce que, bah certes, c'est louche, de perquisition de l'hélicoptère en particulier, en fait. Et des informations... Mais clairement, on te dit... Le substitut te dit, vous l'utilisez après interrogatoire de la personne si ça vous paraît suspect. Ouais. Vous l'utilisez pas si vous avez pas de raison de l'utiliser, quoi. Il était là, certes, à la limite, il a pas déclaré son plan de vol, et c'est tout, quoi. Bah, moi, je dis que, ouais, bah, on y va. Puis vous allez sur place ? Ouais. Ok, pendant ce temps, l'autre équipe. Yep. Ouais. C'est un missile de fabrication ancienne, enfin. Chinoise, récente. Récente, mais genre récent. Très très récent à tester ou testé et validé depuis un an ou deux, quoi. Ça fait partie de, je vais pas dire de la dotation de l'armée chinoise, mais c'est pas du prototype, quoi. D'accord. Alors moi j'ai une question. Je demande nos coordonnées GPS de toute la journée. Ouais. Et je regarde si. J'essaie d'établir si l'arrivée sur cette zone-là, ça pourrait représenter notre arrivée dans un cercle, en gros, dans une zone nouvelle qui rentrait à portée du missile, en fait, et du coup qui aurait déclenché le tir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est au moment où vous rentrez dans un cercle de 500 mètres, ça se déclenche. Ouais. Non, vous êtes déjà vous êtes passé, en fait, comme vous étiez à Burbank toute la journée. En fait, vous êtes passé un moment dans le plus. On est passé à proximité, dans toutes les directions. Enfin, si c'est pas toi, c'est l'autre voiture. Enfin, c'est la voiture de Max, hein, de toute façon, qui t'intéresse. Oui, c'est ça. Non, t'arrives pas à déterminer. Non, clairement pas. Ok, et du coup, je vais aller. On va, je pense, aller au pressing du COPS, quoi. Ok, ouais. C'est un peu, à mon avis, une piste en bois, mais bon, on sait jamais, faut quand même... Tac, 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 donc dans son uniforme... Alors, elle se trouvait dans son uniforme, il n'y a pas d'effraction visible... Par contre, la veste... Oui, la veste revenait tout droit de chez Fairfax & Co., donc le pressing officiel du LAPD. On y va, hein. Ok. C'est un pressing qui n'est pas dans le bâtiment du... Non, du c'est l'extérieur. C'est à part, ok. Pendant ce temps, les autres cops, vous arrivez à Pasadena. Donc, c'est un héliport. Ouais. Vous êtes devant, il y a un bâtiment, un grand bâtiment, il y a les pistes. Il y a des bureaux le bâtiment, quand je dis c'est les bureaux, quoi. D'accord. Je pensais que tu parlais d'un entrepôt, en fait. Non, mais aussi. Je pense que vous allez sur les bureaux, d'abord. Je suis sur le qui-vive, enfin... Ouais, non, mais ok. Faites quoi? On va voir, il y a bien un patron ou un régisseur de plan de vol, non ? Oui, peut-être. Je regarde en l'air toutes les 3 secondes. Tu as raison, on sait jamais. Moi, je toque au bureau le plus proche. Regardez vos poches, putain. Il y a une femme qui sort. Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Bonjour. Oui, on cherche le responsable. Comme quoi, vous êtes décidé à venir. Comment ça ? Alors, attends, que je dise pas de bêtises. Écoutez, comment dire ? Et le patron, je vérifie juste la position du gars. Le propriétaire de la société, c'est ça. J'ai été voir la police à cause de la disparition de mon patron. Enfin, ça fait plusieurs jours qu'il répond pas au téléphone. J'ai été voir la police. Ils m'ont dit ouais, il est majeur, il est vacciné, il peut vivre sa vie comme il veut quand même. Et maintenant, vous vous dépointez. Ok. Quel est son nom
Alors, est-ce que tu as émis la... Elle te donne son nom, prénom. Je t'avoue que ça n'a pas une grande importance, mais donc tu as son nom, prénom. Et depuis le vendredi 6 janvier, elle te dit il est parti et il manque l'hélicoptère. Donc, à l'immatriculation, qui vous manque ? Ah, comme par hasard. Ah, c'est ce matin, en fait. C'est ce matin. Ouais, c'est ce matin. C'est ce matin. Elle n'a pas vu l'appel. Elle a demandé à la police. On l'a envoyé chez. Bon, ça va. On a un temps de réponse qui est pas dégueulasse, connasse. Excuse-moi, c'est moi qui ai... Mais ouais. Par contre, est-ce que il répond pas à la radio Vous n'avez pas des systèmes de géolocalisation sur vos hélicos? Elle vous amène au hangar. En fait, en effet, il y a un truc de géolocalisation. Elle vous le montre. Il est au sol. Ah oh, putain. Ok, est-ce qu'elle nous donne accès à tous les locaux afin qu'on vérifie s'il y a des traces de lutte ou de choses comme ça ? Bah oui. Est-ce qu'il a un ordinateur personnel ? Bah il est là. On peut y accéder ou pas ? Est-ce que vous nous autorisez à y accéder ? Vous faites une recherche pour pouvoir retrouver votre patron. Donc, Il a un brouilleur sur sa radio, c'est tout. Il y a son pote qui a perdu son téléphone. Accident banal, l'hélicoptère, quoi. J'essaie d'ouvrir son ordinateur pour voir s'il n'y a pas un agenda électronique. À la question son téléphone, elle te dit si, il est là, elle te file son téléphone. Il était sur son bureau. Demandez s'il y a des caméras de surveillance dans le... Ça se trouve, il s'est fait enlever en direct. Ils ont dû le menacer. Il y a des chances, mais on se voit. Il n'y a pas eu le temps de... Est-ce que vous avez des caméras de surveillance ? Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance dans les environs ? Oui, il y en a. Bah écoutez, on veut voir toutes les images. J'ai pas accès, il faut appeler la société de sécurité. Enfin, c'est pas elle qui a accès, quoi. Mafia, ok, on a compris. Est-ce qu'avec ma tablette, je peux accéder, non, à la société qui me l'envoie dessus, vidéos ? Non, il faut que tu les appelles, que tu avec un mandat, que tu leur demandes, parce qu'ils vont être super professionnels, comme une société de sécurité qui tient ses clients. Mais du coup, avant d'appeler, moi je demande le mandat. Qui appartient à la mafia. On a besoin de ça pour accéder aux caméras de surveillance pour lier à la tentative de meurtre par roquette sur officier de police. Par croquette. Ah, j'imagine la secrétaire à qui tu dis ça. Quoi ? Non, mais non, du coup... Mais ok, je passe à l'autre équipe. L'agent, en fait, du procureur. L'autre équipe. Oh. Donc vous arrivez à Fairfax & Co. Sur je pense place... que j'aurais demandé un petit mandat quand même, voire deux, mais pareil, je l'utiliserai pas s'ils sont coopératifs. Ouais, c'est. On te dit. Alors, il te le donne. Pour le moment, il te le donne pas parce qu'il y a. Il y a des accords entre la police et machin et qu'ils ont pas envie. Il te dit clairement. Ouais. Le procureur te dit voilà, pour le moment, voyez voir s'ils sont coopératifs. S'ils sont pas coopératifs, on ira au mandat. De toute façon, c'est. Je veux dire, c'est, vous êtes à côté du central. Hein. Mmh. Ok. Donc, c'est... Donc... Ah non, ça... Tac, tac, tac. Ok, sur place, on te... Du Arte, oh putain. Non, non, c'est bien ça, c'est bien au central, à côté du central. Et on te dit, vous avez un des blanchisseurs, ce qu'ils appellent les majordomes sont sur place et vous, vous demandent ce que vous avez besoin. On montre plaque, on dit qu'on est flic, évidemment, et que on... Un de nos collègues. Les blanchisseurs ont fait la même chose avec de la limonade, donc on connaît le métier, c'est bon. Oui, on connaît que. Techniquement, moi je fais rien, c'est ta fille qui fait tout. Hein. Donc, En gros, tu veux leur expliquer la. Oui, en gros, je leur dis qu'on a un collègue à nous qui a trouvé une carte électronique dans sa poche. Et du coup, on voudrait savoir si quelqu'un aurait pu la glisser là. Et donc, demander un peu le process du truc, comment s'en nettoyer, etc. Ils t'expliquent le process du truc, mais surtout, ils te disent qu'ils ont un blanchisseur qui est manquant à l'appel depuis 2 jours. Hein, depuis 2 jours. Ah. Enfin, ou un jour, je sais pas, mais... Le blanchisseur s'appelle Max Woodworth, et il habite Montebello. Et il te donne carrément son adresse. Ok. Alors moi, j'ai juste une question avant de filer de suite là, à cette adresse. Est-ce que les blanchisseurs en question, dans leur boulot, ils peuvent savoir à qui appartient telle veste ? Ou est-ce que c'est du hasard ? Il y a vos numéros, en fait, sur les vestes.
Donc il sait exactement à qui ça appartient. Ouais. Et moi j'ai une autre question, est-ce qu'il est Klingon? Parce qu'il s'appelle Worf quand même. Hein. Non. Ah, il s'appelle Wood Worf. C'est un Klingon laineux alors. Non, Wood Bois. C'est l'ancêtre du Klingon. Pardon, désolé, aparté. Non mais niquez-vous sérieux, hein. Niquez-vous les gens avec ça. Quoi? Non, non mais c'est tout. Sinon, le truc, ça veut dire que ça pourrait être ton épouse, hein, Max, parce que il suffit qu'elle connaisse un blanchisseur. Puis ça, dans tous les cas, ouais, les mecs expliquent que oui, c'est carrément possible pour un blanchisseur s'il sait à quel numéro de plaque appartient tel uniforme. De faire ça et ils sont extrêmement choqués que ça arrive et s'il s'avère que c'est lui ça va pas bien se passer parce que en termes d'avocat il va aussi douiller de leur côté hein. Ouais bah, je s'ils ont des caméras de surveillance qui les envoient sur mon bureau hein, en gros enfin les enregistrements les caméras ils te disent que malheureusement on n'a pas de caméra c'est ça c'est pas vraiment de caméra. Mais dans tous les cas, ouais, il te donne la fiche du gars, donc avec son numéro de téléphone, son adresse. Ils te disent que le gars, ouais, il s'est pas pointé, quoi. Bon, Lee, okay. Je t'emmène à Montebello pour que tu téléphones au proc pour avoir un mandat. Ah, t'es pas avec moi, je suis avec Denis. Bah oui, t'es avec Denis, il est avec Denis, toi t'es avec les autres. Ah, je pensais que j'étais avec... excuse-moi. Quoi? Comment tu les as abandonnés? Non, mais... bah après, moi ça me dérange pas, hein, mais si tu veux, mais voilà. C'est son côté Aria. Non, si t'as Denis et Aria, c'est bon, t'as ce qu'il faut. Et Torgen. Ouais. Et Clyde. Moi j'attends qu'elle grandisse, comme ça je peux la chevaucher. Oh non, mais. Voilà, ah, voilà. Trop bien. Titre! Si tu veux. Voilà, ça passe bien. Alors. Je suis pas sûr que je sentirai grand chose, mais. Donc vous allez vers Montebello ou vous restez à la blanchisserie? Ah non, 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 on va à l'adresse du gars, t'es ouf. Okay. Bon, il va être coupé en 8 morceaux, mais on est d'accord. Mais... Pendant ce temps, les autres. Ya. Yeah. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai. Bof. On cherche... si, on demande un mandat, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Un mandat pour quoi? Pour les vidéos. Oui, non, mais ok, vous demandez les vidéos. Elles arriveront en moment voulu, mais vous les aurez pas tout de suite, c'est ça que je d'accord. Vous dis. D'accord. Donc, il faut faire quelque chose en attendant. Ils sont venus comment, ces personnes-là qui l'ont enlevé? Ils ont dû venir avec un véhicule, il y a peut-être un véhicule qui traîne quelque part. Bah, on peut chercher rapidement, voir... Vous êtes à passer déjà des véhicules, il y en a plein, en fait. Ouais, mais traces de violence, voir s'ils l'ont agressé ou rien. Pas. Et, vous l'avez déjà dit et je vous réponds, non, il n'y a pas. Les dossiers pour savoir s'il y a quelqu'un qui avait loué l'hélicoptère ou un truc comme ça? Personne. Est-ce que normalement, c'est le contrôleur aérien de Los Angeles, il devait avoir accès à... Il y a des transpondeurs sur les hélicos. Oui, je l'ai dit. Le transpondeur, il est dans leur hangar. Par terre dans l'entrepôt. Ah, ouais, c'est carrément le transporteur. Donc le mec s'y connaissait déjà. Ouais, donc, déjà. Ça pue carrément le type qui le pilotait. Alors, on peut couper un transpondeur sans le démonter. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin. Réellement, non, ouais. Mais le transpondeur, non, on ne sait pas où il est. De toute façon, non, le contrôleur, tu demandes en fait si quelqu'un sait où est le truc, à la fois au contrôleur aérien, etc. C'est ça? Ouais. Ok. Alors, ça prend un peu de temps et tu as une réponse. Ouais. La réponse c'est alors ils savent pas ils l'ont pas vu en fait survoler. Par contre on sait où il est posé actuellement l'hélico. Ah. Sous l'océan. Et dans Alax. Il y a 3 héliports Alax et il est sur une aire d'attente à Alax. On va foncer à Alax. On demande aux gars à des gardes de l'Alax de mettre l'hélicoptère sous séquestre et de choper son pilote ou ses occupants s'ils sont encore là. Pendant que vous êtes en train d'aller sur l'axe, vous avez un message des gars en question qui disent qu'ils vont vous laisser ouvrir le truc vous eux-mêmes, ils y tiennent pas à se salir. D'accord. Ok, donc il s'est pris une balle. Comment ça, ils tiennent pas à se salir? Ils l'ont égorgé ou il s'est pris une balle quand il s'est fait? Ouais, on leur ordonne de se poser. Un petit message de Bennett qui vous arrive avec marqué important dessus. Je regarde le.
En gros, sur la carte, il y a des traces, alors d'ADN et des empreintes. Et les empreintes, ça matche avec certaines empreintes que vous avez déjà d'un certain Arcus. 131. Donc c'est pas destiné à moi, c'est destiné à nous. Je vous l'avais dit que c'était une enquête de merde. Voilà. Moi, voilà, ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois que tu prends une enquête, ça concerne un certain Arcus. Est-ce que t'es sûr que tu serais pas sa taupe, en fait? Parce que bizarrement, c'est une enquête, à chaque fois, le mec, il s'en sort. Eh, je suis désolé, mais... c'était dans la poche, donc c'est pas une taupe, c'est un kangourou. Oh non. Dans tous les cas, je vais aller niquer avec ça aussi. Non. Je pense que c'est un très bon mot de la fin pour mettre la fin à la partie. Ouais, moi je suis d'accord. Non, je veux finir les deux trucs qu'il y a en cours là. Bon, nous on fonce à la Max. Enfin, à l'axe. Ok, mais du coup, on a ses empreintes et son ADN? Potentiellement, ouais. Et comment il sait que c'est Arcus? Parce que vous avez déjà en fait des empreintes et de l'ADN. Oui, d'accord. Oui, sur la scène de crime du sénateur. Ouais, il y a plusieurs moments où vous avez eu des morceaux en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a rien. Donc à part pouvoir dire que c'est lui. Donc, on va faire quoi en premier? Je vais faire d'abord l'hélico parce que l'hélico c'est plus rigolo. Avec l'hélico, c'est rigolo. Vous arrivez sur place. Arrive sur place. Il fait nuit, hein. Vous avez roulé un peu, donc ça fait déjà plusieurs heures que vous avez fini votre service. Ah. À l'intérieur, il y a le pilote qui est penché sur le manche, une partie de sa cervelle éclaboussant, les vitres teintées. C'est pour ça que personne n'a rien vu sauf à s'approcher. D'accord. Et la balle s'est fichée dans le tableau de bord, et c'est une balle tirée par un Arcus. Un flingue de cops. Non, un Arcus. Ok. Chose étrange, en examinant le cadavre, il a vidé son chargeur sur le corps du pilote. Oh putain. Les blessures sont post-mortem. C'est un acharné, déjà. Il a été tué comment? Dans la tête. Par multiples balles. Si ça se trouve, en fait, le fait que le missile ait hésité, c'est parce que le pilote a essayé de l'empêcher de faire un truc comme ça. Ah, putain, je sais, j'ai compris. C'est la hackeuse qui... Ouais. Peut-être. C'est pas con, ouais. C'est un fauteuil roulant qui nous a sauvés, en fait. Elle a essayé de pirater. Ouais. Okay. J'ai un bonus d'XP ou pas, là? Moi, j'envoie un SMS à nos petits camarades en leur disant, au fait, demandez aux gens qui ont bossé là, la tête, enfin, portrait robot du gars qui a bossé là. Parce que ça se trouve, ça nous permettra peut-être d'avoir une image d'Arcus. Rien compris. Peut-être embauché comme nettoyeur pour avoir l'opportunité de faire ça. Bah oui, ça faisait combien de temps qu'il était employé, tout ça? On fait son dossier, quoi. On prend son dossier. Bah, ça fait 2 ans qu'il est employé là-bas. Ah, ouais, non. Donc non, c'est pas possible. Okay. Donc, dans une petite tour au croisement de West Madison Avenue et North 7, vous arrivez donc devant la tour où habite le dénommé donc Miles Woodworth. Ah, tu vois, c'est Worth. Pardon. C'est RTH, c'est ça? Vous arrivez devant la réception de la tour. Worth. Worth. Donc Worth. Ça dit Worth. Donc, vous faites quoi? Vous êtes devant cette putain d'entrée où il y a... Putain d'entrée! Eh ben, on entre. Oui, mais il y a le gardien qui est devant, en fait. Enfin, il y a le concierge, quoi, qui est devant. Bonjour, vous allez où? On est d'accord, on est à l'adresse du blanchisseur. Ouais. Et le blanchisseur, il a les moyens de vivre dans un appart, dans un immeuble où il y a un vigile. Il y a un concierge. Qui vérifie les entrées. C'est pas ouf hein, non plus. Hein. Nous allons voir monsieur Mark Woodworth. Justement, là, il est en train de rentrer. Vous retournez, en fait, vous voyez le mec que dont vous avez l'affiche avec la photo, qui avec ses courses dans les mains, qui est en train de monter vers... et qui vous regarde, qui lâche tout et qui se barre. Oh putain. Pardon, excusez-moi, je rigole. Parce que qui lâche tout, qui se barre, c'est tellement facile pour moi. Attaque. Là, je suis... Ouais, c'est ça. Au lieu de rire, lance TG, là. Lance TG, tu vas voir. Alors, on part sur une poursuite. Il commence avec 4D, tu as 4D aussi. Mais non, putain, balance Aria, elle va le choper en 2-3. Elle n'est pas entraînée à ça. Elle n'est pas entraînée à ça, ouais. Oh, moi aussi, hein, je lance la poursuite à haut.
On est en athlétisme, on est d'accord. On est en athlétisme. Je vous laisse déclarer vos réussites en premier. Et il est costaud ou pas? Il a l'air physique sportif. Ouais. C'est un blanchisseur, il est habitué à travailler dans un endroit. Je vais dire 2 succès. Ok. 3 succès. Ouais, lui il va être sur 2 aussi. Donc 4D plus C et votre athlète. Oh bonne mère. Bon. Ça s'appelle un coup dans le vent, c'est ça? Ouais. 3. Techniquement, ouais, Denis, comme t'as pris une réussite supérieure, normalement, il perd un dé. Alors, attends. Il prend un dé noir. Hein. Vas-y, tour suivant, Denis, t'annonces en premier. 3. Ok, je reste sur 2, moi. Edine. Je vais prendre 2 aussi, on va assurer la sécurité. Allez, c'est parti. En 3 encore. Ah. Donc Lynn, toi tu gagnes ce tour, lui il perd normalement donc 3 dés, donc il prend 2 dés noirs encore. Bon, il prend que des dés noirs. Vas-y. Mais attends, vu qu'il avait un dé noir et son premier dé il l'a loupé, donc il lui arrive quelque chose là. Ouais, vas-y, lance-moi un dé 6. Il renverse une poubelle. 2. Fais pas le con ou je vais tirer. Alors attends. J'attrape le bouquin. Mais il me semble dans les règles que s'il a que des dés noirs, la poursuite ça se finit. Hein. Il faut qu'il lui reste au moins un dé normal. Non, parce qu'il peut perdre des dés noirs en fait. Non, il va se prendre un con de mime. Non, mais il peut pas descendre à que des dés noirs, je crois. Il perd des dés après en fait. Il perd les dés noirs les uns après les autres. Oui. Mais il peut. Mais c'est pas. Alors, donc un échec à pied, voilà. Ça fait combien? 2. Ça va pas être énorme. Hein. Attention, les vieux sont sortis. Un bonhomme, le gêne, le passage devant la personne. Athlétisme, réflexe. Alors, réflexe, ça tac. Ah. Et donc, il perd encore un dé de poursuite. Et en plus, la personne prend des dégâts. Wouh. Ok. Vas-y, dis-moi combien tu fais là. Moi 3. Attends. Ah ouais, je peux pas, c'est forcément un de plus, un de moins. Donc 2. Denis. Moi je suis à combien de dés noirs là du coup? Bah si tu prends des dés noirs. Oh, oui. T'as perdu 3 dés. 3 dés noirs. Bah, il me reste un dé normal et 3 dés noirs, mais non, c'est chiant, quoi. En fait, le truc, c'est que moi, dès qu'il est à portée de lancer, je lui lance mon tonfa dans les genoux, quoi. Ça va. Mais sinon, ouais, je dis 3 aussi. Je pense que ce tour-là, je l'ai mordu la nuque, hein. Je pense que... Là, C'est quoi, ça? Ah non, c'est un dé. J'ai pas fait un C. Ah. C'est bizarre, il y a quelque chose de chelou. 10, c'est chelou comme résultat. Et okay. Moi, 4, ouais. Dès que je peux, je lui lance le tonfa dans les genoux. Hein. Ouais, vous le chopez toute façon. Non, mais il n'y a pas besoin de lancer le tonfa dans les genoux. Hein. Là, sur tour-ci, vous lui tombez à 2 dessus. Hein. Ok. Vous l'écrasez. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il est l'espèce d'Arthus 1-4-1. Si, c'est toi. Je le sais, c'est toi. Et moi, ouais, je me fais spammer par l'Arx. C'est ma quatrième arrestation. Ah non, c'est ta 44e arrestation. Ah ouais, mais alors cela, je sais pas si on les a tous mis hein, son. Non. Bon. Non mais en gros, vous l'avez attrapé. Qu'est-ce que vous en le mec il a. Non mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que. Non mais. Alors, on va le protéger d'abord, on va le cacher parce que j'ai pas envie qu'il se fasse tuer par un sniper. Pas faux. Ou un sniper changeur de forme. Voilà. Parce que j'ai vu Star Wars épisode 2. Donc voilà. Bravo. Et une fois qu'il est à l'abri en sécurité, c'est-à-dire pas au QG du Libidi,
On va l'interroger. On va savoir ce qu'il veut. Et pourquoi il court. Et Ok, vous l'amenez au QG. Et vous l'interrogez. Vous, pourquoi il court, pour qu'est-ce qu'il a fait. Et ouais. Vous lui dites quelque chose. Bah déjà, on va le coffrer pour dégradation de biens publics. De le public. Ouais, du coup, il blessure même... sur vieux. Il y a même plus que ça. Hein. Délit de fuite. Complicité dans une tentative de meurtre. Ça c'est pas encore prouvé. Non, mais il a quand même jeté ses cours sur un trottoir, ça se fait pas. Donc, Ok. Non, mais c'est vrai, hein, je n'avais pas vu ça comme ça. Hein. Non, voilà, mais non, mais. Vous le bah, pilez Oui, après, pour l'instant, on n'a pas encore de preuves que, comme quoi il a été complice. Maintenant, s'il avoue, okay. Oui, on va le coffrer pour ça, évidemment. Mais... clairement, vous me faites les jets d'interrogatoire. Et surtout, vous me dites de quelle posture vous choisissez. Bah, moi, ça va être intimidation et froid. Ok. Il y a un truc un peu comme ça. Denis. Il a peur de toute façon, là, puisqu'il a couru. Il est à moitié paniqué, ouais, si c'est la question. Moi, je vais y aller franco, quoi. Je vais y aller vraiment en agressif. Agressif ? Ok. Ouais. Vas-y, faites-moi mon jet. Yeah. J'ai un échec, je peux relancer. 5. Mmh. Ouais, quand même, fait 2 de résistance avec 2 dés. Hein. Ouais, et puis moi, avec 5 dés, je fais une réussite. Ouais, bah, ouais, mais pas très inspiré. C'est mignon quand tu t'énerves, mais on comprend pas trop ce que tu dis en fait. C'est complètement alors, ça, quoi. Clairement, je vais la faire rapide et puis on s'arrêtera sur ça de toute façon pour ce soir. Vous passez la nuit à le cuisiner. Hein, sachant qu'en fait il craque assez rapidement, mais l'important c'est surtout de lui faire cracher un maximum d'infos. Donc, le dit blanchisseur, donc le dit gaillard, donc clairement plusieurs choses. La première c'est qu'il s'est ruiné au Julie Gaillard, tu veux dire, non? Donc, il s'est ruiné au jeu. On lui a donné. Un gars lui a proposé $5,000 en échange et de filer de l'autre côté de la frontière, n'importe où, en échange de placer une carte dans un uniforme un uniforme de COPS au numéro temps. En fait, il s'est exécuté, sauf qu'il a jamais trouvé l'argent au lieu qu'on lui a dit, et donc, il a décidé de la jouer profil bas, donc de faire le mort. Mais bon, il est quand même sorti faire ses courses, quoi. Bon, il a pas l'air très très fut-fut, le gars. Voilà. Et il vous dit qu'il a rencontré le gars dans un tripot. Donc on vous donne, il vous donne l'endroit où il l'a rencontré. Voilà. Il peut donner une description du gars. Ouais, il vous donne une description. Popo. Il avait un portrait robot. Et il était motard, hein? Si, il était motard. Ok. C'est pas mal. On finit avec un portrait robot du mec le plus recherché du COPS. On peut voir un peu d'optimisme par ici ou pas? Ok. Putain, je me fais spammer en même temps. Tu lui dis, je suis en partie, connard. Ouais, ouais. Voilà, il n'y a pas autre chose à rajouter sur ça. Si, il y a une chose quand même. Il vous a dit où l'argent était planqué. Est-ce que vous allez voir à l'endroit de donné ou pas? Bah oui. Vous trouvez $5,000 en liquide. Il a pas trouvé. Et il est vraiment très con alors. Mais c'est des gens cachés. Comment ça s'appelle, c'est une boîte aux lettres morte, quoi. Donc ouais. C'est sûr que si t'es pas un peu fut-fut et que t'ouvres pas le truc ou un petit peu, enfin tu te bouges pas un peu le cul, ouais, tu le trouves pas. Mais les infos qu'il vous a donné, ça vous a permis de le trouver. Vous avez pas dû lutter fort beaucoup, hein. En même temps, vous êtes des flics.
D'accord. Non, mais okay. C'est plus que pas fuite-fuite, là. C'est... En même temps, non, c'est un citoyen qui protège les biens des boîtes aux lettres des gens. Ouais. On vient de trouver le Jean-Claude Duss californien, là, tu vois. Ok. Non, mais il a rencontré Artus machin et il est pas mort. Non, par contre, il devait prendre l'argent et se barrer au Mexique et il restait. Ce qui veut dire... Bon, ce qui veut dire que Artus a pensé qu'il était trop con... Pour être une menace pour lui. C'est quand même pas mal. C'est surtout, ça veut surtout dire qu'on devrait pas tarder à avoir Arcus dans notre prison pour venir le libérer et le tuer, tu vois. Ah oui, ça c'est certain. Mais non, mais tu rigoles ou quoi, les sièges des prisons du COPS sont déjà piégés par Arcus, là. Ok. On va arrêter là pour ce soir, non? Je pense que c'est et dire pas que mal, cette partie, puis... je devais tenir 3 jours dessus. Hein. Moi, j'aurais pu laisser le fait que ça soit Arcus pendant quelques jours avec le truc, mais bon, c'est pas très grave. Très bien, je vous envoie le générique de fin, au revoir les gens. Pas la semaine prochaine pour ceux qui écoutent en live, mais dans 3 semaines en fait. Ouais. Salut tous. Ouais. Morale de cette histoire, c'est ne laisser rien traîner dans les poches. Voilà. À bientôt. Sauf si vous êtes un kangourou.